Mon micro était bien allumé, mais c'est le potard de BS qui ne l'est pas. Bonsoir Suze, bienvenue à toi. Est-ce que je te rebranche Gabriel ou tu veux me dire des secrets qui roucoulent dans l'oreille ? Mes lectures du moment, c'est... Je suis dans la querelle des universaux d'Alain de Libera. Super. Et c'est génial. Pointu, mais génial. Ouais. Ah ouais, vraiment. C'est bien, hein. Et la manière dont il est pointu, c'est-à-dire que il précise bien, voilà les textes qui circulaient à l'époque où tel ou tel... Ou tel philosophe écrit, voilà les textes auxquels ils ont accès. C'est ça. Et voilà les traductions auxquelles ils ont accès. Ce qui fait que ça éclaire d'un jour complètement nouveau la querelle des universaux, qui n'est pas du tout ce que j'ai pensé pendant très longtemps, c'est-à-dire que c'était une querelle entre les tenants d'Aristote et les tenants de Platon au Moyen-Âge. C'est beaucoup plus complexe, en fait. C'est ça. C'est vraiment un fait géopolitique majeur. C'est précisément... Tout le monde n'a pas les mêmes textes d'Aristote et de Platon entre les mains, d'une part. Tout le monde n'a pas les mêmes attributions, d'autre part. Et on lit les commentateurs des uns et des autres. Oui. Les chrétiens lisent les juifs et les arabes lisent les juifs et les chrétiens, etc. Effectivement, ouais, ils s'apostrophent sur des points de... qui ne sont pas des points de doctrine entre deux camps, mais vraiment une pluralité. Même à l'intérieur de l'école de Paris, il y a des positions super contradictoires, quoi. Il y a des gens qui tiennent des positions très différentes, et qui ne sont pas seulement liées à un éventuel aristotélisme radical. Non, c'est passionnant. Et puis notamment, ce qui est intéressant, c'est les voix contradictoires. C'est celles qui viennent proposer autre chose, quoi. C'est les Dukam, ces gens-là... dont on sent bien qu'ils ont toutes les faveurs de Libera. Ça, c'est chouette. C'est vraiment... Il prend position, Libera, aussi. Ça, c'est chouette. Oui, il n'a pas le... Il a pas la prétention d'avoir une vue aérienne. Pas du tout. Il n'y a pas de neutralité. C'est pas la neutralité du savant. C'est exactement le contraire. Et c'est en ça que c'est un encyclopédiste, à mon sens. Il a une position savante qui est celle de l'encyclopédiste à l'ancienne. C'est rigoureusement l'antithèse de celle de la Wikipédia. C'est-à-dire celle d'avoir précisément une position et un choix intellectuel, etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très très chouette. Ça fait du bien. C'est un petit Montosa, il est vraiment pas mal. Comment vas-tu, Suze? Comment vas-tu? Raconte-nous des trucs. Comme ça, en plus, on saura combien il y a de delay entre, oui. entre nous et Suze, avec le temps de la réponse. Ils sont sympas. C'est des Dominicains. C'est vraiment pas mal. Je sais pas si tout est Dominicain. Je crois que la cape est équatoriale dans mes souvenirs. Je cherche. Je suis sûr que ça t'intéresse pas des masses, mais je cherche quand même. Je pense que ce que je vais te révéler va pas te faire lever un sourcil. Mais comme tu es un bon ami, tu feras semblant de t'intéresser. Oui, voilà. C'est intéressant. Sache qu'il est composé d'une feuille de cap Connecticut Équateur. Et oui, c'était bien équatorial. Ça t'épate, hein. Et d'une sous-cape qui n'est pas d'Équateur, mais Mexique, Sumatra, Mexique. Tu te rends compte de ça? Donc la tripe est bien dominicaine, mais la cape est équatoriale et la sous-cape Sumatra, Mexique. Salut à toi, Tintamar. Salut, Tintamar. Il faut me présenter le truc, j'ai pas les références. Ah, qu'est-ce que tu entends par... Le truc. Salut, Popo Piccolo. Alors, votre générique, c'est entre striptease et carambolage. Alors, le générique. Donc, la musique, c'est moi, pour faire la hurie. C'est un bricolage vite fait, avec ma voix qui vous dit de patienter, et puis un bon vieux truc sur Fruity Loops, de feignasse, il faut bien le dire. Et l'anime, c'est le grand classique de...
des photographies de la voix de Murray au 19e siècle quand il prononce la phrase « Je vous aime » et c'est la mise en gravure de ces photographies que j'ai montées en animation. Voilà, voilà, on sait tout. Salut Minamia. Est-ce que tu as fait semblant de t'intéresser à mon histoire de cigare ou pas, par ailleurs ? J'étais rifté à mon fauteuil de bureau. Ah, quel bon copain. Ah, voilà, un bon copain. C'est vrai ? Ouais, c'est gentil. J'ai une femme adorable, un ami merveilleux, donc voilà, je peux mourir la tranquille. Vie, la vie n'est pas si nulle. Elle l'est en très grande partie, mais... C'est vrai. Salut Solarius, mais je suis tenu de vivre rien que pour vous. Oh. Et c'est d'ailleurs la seule raison qui me tient debout, sachez-le tous les deux. Sinon, il y a belle lurette hein, que j'aurais fermé mon parapluie parce qu'on en a plein le cul de cette vie de con. C'est une excellente justification. Oui. Ah. Suze t'embrasse, Agnès. Mais je l'embrasse aussi. Elle t'embrasse aussi. Minamia nous dit waouh, c'est beau tout cet amour. Oui, des fleuves d'amour, des fleuves d'amour. Et on sait où ça conduit. Ces excès de sucre. Le diabète. C'est le diabète. Exactement. Les artères bouchées. Ça ne manque jamais de cœur. On les exprime ici. C'est ce qui rend cette chaîne à part. On se signifie oralement notre amour. On se dit des trucs. Voilà. Salut Ragdou. On se raconte les machins. J'ai dit ça, moi, tout est nul. Tintamarre nous dit non, il n'y a pas de vie de con quand on peut cuisiner un peu. C'est vrai, c'est pas mal aussi. Cuisiner un peu, tu as raison, Tintamarre. Allez, n'abaissons rien. Puis un peu de philosophie en compagnie de philosophes aussi gratifiants, aussi amusants, aussi ludiques, aussi joyeux et aussi communicatifs et pénétrants que Ludwig Wittgenstein. Salut Lucie. Oui. Alors, Tata Marc qui disait aussi ce que vous voulez faire, les noms, je les connais pas. Bah, si tu as la patience d'attendre quelques minutes, oui, Laurent tout et moi allons faire la présentation générale des trucs résumés des épisodes précédents. J'ai même fait un machin, je t'expliquerai. Tu vas voir, ça va t'épater. Tu vois, comme j'ai été studieux, je suis pas sûr que ça serve à grand chose d'avoir été aussi studieux, mais ça va peut-être nous servir. C'est-à-dire que j'ai rassemblé dans un autre ordre les notions qu'il avait explosées partout en proposition. J'espère qu'on y voit un peu plus clair. Voilà. Parce que c'était quand même le box. Mais pour quelqu'un qui veut ranger le monde, il y a des chaussettes qui traînent dans son tractatus. C'est ça, c'est ça. Il aurait pu commencer par ranger sa chambre déjà. Ça aurait été pas mal. Saligo. Il ternit la réputation de l'ordre allemand. Autrichien. Autrichien. C'est vrai, autrichien. C'est vrai, autant pour moi. Regardez-les ceux-là qui sautent au cou, là, et ça babille, et ça jacasse. Et ça badine, gna gna gna. Oh, je t'aime. Oh, pas Soso. Oh là là, on va s'embêter. Ah oui, c'est sûr. C'est pas nous qui nous laisserions aller à de tels. Certainement pas. Certainement pas. Nous apportons à cette chaîne tout le sérieux qu'elle peut garantir. L'austérité proprement judéo-calviniste. Exactement. Vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est ce qui rend cette chaîne crédible. Oui. Évidemment. Tu sais qu'il y a des chaussettes qui traînent dans son tractatus, vient de devenir une côte, mon pauvre Gabriel. Voilà. Ah putain, arrêtez de vous lécher la pomme, bande de glands, vous êtes pénibles. Trop d'amour, ça finit par nous noyer comme ça. Et après, il nous manque précisément l'austérité que réclame une soirée philosophique. Donc, là, retenez-vous un peu, hein. Voilà. Retenez-vous.
qu'est-ce que c'est que cette icône dégueulasse, cette emote crado de chat qui... Ah putain, Minamia, c'est ignoble, ignoble. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Il y a des emotes, mais tu peux pas imaginer l'enfer, Gabriel. Il y avait deux petits chats dégueulasses avec un petit cœur entre les deux chats. Sur la fenêtre de Twitch. Ignoble, et... ignoble. C'est très mal. Rien qu'à voir cette emote, mon taux de triglycéride a augmenté, a fait un bond prodigieux. Ouais, tu iras au coin avec Fessé pour ça, Minamia, et le bonnet d'Han. Salut Donio. Non, tu n'as raté qu'une des icônes les plus repoussantes, une emote absolument repoussante, la tête les plus dégueulasses que j'ai vues depuis bien longtemps. Voilà, il y a tout pour plaire. Essaye d'imaginer, je te laisse t'imaginer le tableau de Wittgensteinien. Deux chatounets kawaii se font des mamours avec un petit cœur au-dessus de leurs deux têtes de con. Quel avec enfer. Un petit cœur qui clignote. Un petit cœur qui clignote. Pour signifier qu'il bat. Cœur entre les deux chatons. Ah, monsieur Larius, c'est normal, hein. C'est pas possible. Avec toi, je suis obligé d'employer les grands moyens, mais c'est à chaque live. Tu ne t'en lasses pas. C'est pas possible. Tout le monde nage à sec. Magique, dit Donio. C'était ça, c'était un moment. Oh, dis donc, ça fait 38. Il nous reste plus que 38 secondes dans mon petit compte à rebours, là. Donc ça va pas tarder à. T'es à combien, toi, Gabriel, quand je vois la distance 30 secondes. C'est à 37 secondes. D'accord, on a 7 minutes. Secondes de délai. Oh, ça va, c'est pas... Ça va. Hop. Non, Solarius, ne fais pas ça. Oh, ah, putain, il va falloir sévir, ça. Hop, bah voilà, je sévis. Hop, voilà. Alors, je crois que secrètement, il aime ça, en fait. Je crois. Je pense que à ce stade, il faut établir un safe word à ce stade. C'est ça. Je crois qu'on en est à peu près là. Bon, alors, les gens, c'est censé commencer. On est censé voir ma tronche d'Ayuri, mais on ne la voit pas. J'avais préparé un petit papier. C'était pour prendre des croquis parce que il y a toute une partie. Il y a toute une partie de formalisme logique chez Wittgenstein dans son Tractatus. Donc, il y aura peut-être des plans. Si on va jusque-là, et je ne vous cache pas que ça commence déjà à me fatiguer, cette affaire. Alors, j'en attendais plus de joie, quand même. Oui, je sais, je suis naïf, Gabriel. J'ai pensé que ce serait un peu plus joyeux que ça. Alors, pour ceux et celles donc, qui l'ignorent et qui demandaient tout à l'heure de quoi qu'on cause ici, donc on a commencé la lecture du Tractatus Logico-Philosophicus, donc le traité logico-philosophique de Ludwig Wittgenstein, qu'il a écrit début du XXe siècle, et qui présente sa première somme philosophique, son premier gros ouvrage philosophique. Donc ça reste un ouvrage, comme le dit Gabriel, avec indulgence de jeunesse, bien qu'il eut 30 ans lorsqu'il l'a rédigé, et qui s'attache essentiellement à explorer les liens entre description du monde et le langage dont on dispose pour le décrire, et les limites du descriptible, les limites du dicible, en gros. Voilà. Donc, tout à l'heure, Gabriel fera peut-être une petite... Non, on pourrait commencer par ça. Tu nous dis où on en est, et moi, je vous dis ce que j'ai foutu, et on va voir si ça peut nous aider, parce que, avant toute autre chose, sachez que l'écriture du traité est proposée en 7 articulations majeures, et qu'elles sont ensuite déclinées, comme ça, en sous-propositions. Donc, proposition 1, puis 1.1, 1.2, 1.213, nanana. Et que ce type d'enchaînement est donné par Wittgenstein comme la construction la plus rationnelle, pense-t-il, pour y voir clair dans sa démonstration. Et en fait, c'est le bordel, comme vous ne pouvez pas imaginer, puisqu'il y a une série de termes nouveaux qui viennent émailler régulièrement sa démonstration et qui ne sont définis qu'après. Au lieu de l'être au moment où ils apparaissent dans notre champ. Ça nous a rendu régulièrement perplexe, Gabriel, de voir débouler tout les deux sous-propositions un nouveau terme, qui est quand même un peu fatigant. Et quand je vous dis qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Nous avons le fait,
le fait, prononcer le T ou pas, la structure, la réalité, le monde, les choses, les états de choses, la configuration, la proposition, l'énoncé et enfin le tableau. Donc imaginez qu'à chaque fois, on est perplexe à nouveau, puisqu'à chaque fois, ça demanderait, et ça, c'est ce qu'on tente de faire, on s'attelle à essayer de comprendre dans le cadre qui nous est proposé, à savoir le travail de Wittgenstein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à chaque fois, quoi. Donc je pense qu'on peut faire ça. Moi, j'ai tenté en fait un truc tout con, mais qui pourra nous servir pour une fois que Gabriel, s'il est d'accord, nous aura fait un petit résumé de l'endroit où on se trouve. C'est revoir dans cette espèce de rangement. J'ai rangé la chambre de Wittgenstein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'apparaît une précision supplémentaire sur un des éléments dont nous sommes accompagnés, je les ai rassemblés autour de lui. Donc en fait, à chaque fois que le fait est un peu précisé, sous un autre angle, d'une autre façon, 12 propositions plus tard, eh bien, je l'ai remis avec le fait, ce qui fait que j'ai rassemblé tout ce qui considérait le fait, tout ce qui considérait la chose, tout ce qui considérait le monde, etc. Sachant que quand il parle de choses, comme c'est un petit coquin, de temps en temps, il parle d'objets, là où il nous dit que c'est la même chose. Donc, à nous de nous démerder avec ça. Il y a une des propositions où il fait une équivalence totale entre chose, objet, entité. Mais pour autant, au petit bonheur, de temps en temps, il dit chose ou objet, ce qui nous rend perplexe tout le temps. Parce qu'on n'est jamais vraiment certain qu'il parle de la même chose. Parce que le cadre dans lequel il écrit donne cette sensation de léger flottement. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'être à demi idiot, d'être dépossédé de tous les éléments pour comprendre un truc. Et évidemment, comme on est des lecteurs généreux, on fout ça sur notre propre incompétence. On est plutôt prêt, de façon bienveillante, à accepter qu'on a raté un bout. Jusqu'au moment où on tombe sur une proposition qui nous fait dire « Mais en fait, il nous parlait vraiment de ça depuis... 12 propositions, et il l'avait juste appelé autrement. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi fais-tu ça, Ludwig? Donc ça, c'est un peu compliqué. Je pense que le petit bordel que j'ai fait là peut nous aider un petit peu. Donc tu es OK, Gabriel, pour nous dire à peu près où on en est? Déjà, je ne sais plus à quelle proposition on était arrivé. Moi, je notais 2.181, mais je ne suis pas sûr. Oui, c'est ça. 2.181, c'est celle-là. En fait, je n'ai pas noté, mais c'est le dernier endroit de mon livre où il y a des gribouillis. Parce qu'après, je relis et je renote plein de trucs, d'accord? Non, mais j'avais fait une petite marque à côté la dernière fois. Ah, merci, Agnès. Ah oui, non, ça, c'était toutes les notes que j'ai prises sur la substance, mais c'est encore autre chose. Ce sera peut-être pour une autre fois. J'avais pris quelques notes là-dessus parce qu'on a été bloqué sur le sens de substance chez Wittgenstein, mais en fait, comme petit à petit, on dit des petits trucs, bon, ça devrait se débloquer sans recours à ce texte supplémentaire. Donc, oublions ça pour l'instant. Donc là, on en était à la proposition. Pour Tintamar qui nous demandait des précisions plus générales en tout début de stream. Outre ce qu'a dit Laurent, voilà, Wittgenstein, philosophe, son Tractatus Logico, Philosophique Logique Abhandlung, c'est ça, est écrit dans les années... Ah merde, j'ai un trou, 20, 30, un truc comme ça En 1921. Voilà. C'est un texte qui va profondément marquer la philosophie européenne, qui va générer beaucoup de discussions à Cambridge et à Vienne. C'est un texte qui reste... le texte chouchou de pas mal de personnes dont ça va être la seule lecture philosophique. C'est pas rare que une personne ne lise aucun autre texte à part le Tractatus. Comme l'a dit Laurent, c'est un texte qui cherche à interroger les liens entre
le langage, le monde, la représentation, mais qui, ce faisant, cherche à interroger ben, la logique et la philosophie. Le titre, que ce soit dans sa version latine de Tractatus Logico-Philosophicus ou dans sa version allemande de Logike Philosophische Abhandlung, il a très clairement des vues très générales de mise à plat. Et c'est un texte qui curieusement reste très influent dans la philosophie analytique, alors que c'est un texte qui à un passage démolit complètement les prétentions de la logique formelle à produire de nouvelles idées. La logique formelle ne peut aboutir dans la démonstration de Wittgenstein qu'à des tautologies. En étant un petit peu méchant, c'est peut-être le seul moment, c'est peut-être le seul moment du texte où il y a une démonstration. C'est quelque chose qu'on avait remarqué avec Laurent la dernière fois. C'est à quel point ce texte démontre peu. On a des propositions qui débarquent de nulle part et qui devraient être la conclusion d'un raisonnement et oui. On n'a pas le raisonnement. C'est un livre très assertatif, oui. Ouais, et ça peut devenir extrêmement frustrant quand il a des propositions, par exemple, comme les objets sont simples. J'ai pas de bille personnelle dans le fait qu'un philosophe me dise que les objets sont simples ou que les objets sont complexes. J'ai pas particulièrement de bille là-dedans. Ce qui m'agace, c'est que étant donné qu'on a cette assertion sans le raisonnement. Ben, c'est extrêmement difficile de déterminer ce qu'il dit dans cette phrase-là. Parce que on sait pas bien ce qu'est un objet, déjà. On sait pas bien ce qu'il entend par simplicité. Dans cette très grande légèreté que Wittgenstein a avec les définitions. C'est ça, on est obligé de supposer à sa place qu'il est simple parce qu'il ne peut plus être réduit, donc on est obligé d'une certaine manière de le rabattre sur des philosophies antérieures dans lesquelles cette simplicité a été établie, démontrée comme une nécessité pour cette philosophie. Ce qui est problématique, Wittgenstein ayant lui-même affirmé qu'il s'était passé de la lecture des autres philosophes. Donc à chaque fois, on se trouve dans une situation un peu bizarre, c'est... un QCM philosophique où on doit nous-mêmes faire des ponts. Alors on comprend que dans ces affirmations, cette simplicité de l'objet est déterminante pour que le reste tienne debout. Voilà, sur l'idée qu'il se fait de la stabilité du monde et de ce que va être pour lui l'état de choses, c'est-à-dire objet, c'est la même chose. Voilà, sachez quand même que les choses et les objets, même si on passe sans cesse du mot objet au mot chose, en fait c'est rigoureusement la même chose, entité, objet, chose, là où tout le texte ne cesse de nous le faire oublier. Donc on est dans la merde. Donc il faut se rappeler à chaque fois, ah oui, il dit que cette chose est simple, la chose est simple. Quand il dit l'objet est simple, il dit également l'entité est simple, il dit également la chose est simple, puisque c'est la même chose. D'accord ? Je ne l'ai pas sorti de mon cul, hein. C'est la proposition 2.01. Donc, vous verrez qu'à chaque fois que j'ai rassemblé les affirmations wittgensteiniennes, à chaque fois, évidemment, je l'ai fait en tenant compte avec précision de l'endroit où il dit, où il affirme cette chose. Et vous verrez que des fois, ça nous amène à des considérations au-delà de toute tautologie, à un excès de celle-ci, et notamment dans la notion de tableau, mais ça, on en reparlera.
Ah oui, bonsoir Solarius. Alors Tintamarre, j'ai du mal, le texte ne démontre rien, mais on va en parler, donc le supporter. Alors, on peut lire un texte sans opiner avec le texte. Oui. Nous n'opinons pas. Il faut savoir qu'avec Gabriel, c'est un jeu auquel on se livre. J'ai l'impression que c'est malgré nous, parce que souvent, on part, enfin, parfois, il nous arrivait de partir en disant, bon, là, on a un philosophe qui nous pose un vrai problème. Ouais. On sait qu'il nous pose problème et on sait que c'est un, disons, dès l'instant où un philosophe vous pose un problème, il vous pose un problème, qu'on va dire, politique. Parce qu'évidemment, ça va être déterminant, le fait d'acquiescer ou pas à sa philosophie, sur un plan généralement politique. C'était le cas de Goodman. Et du coup, on sait ce qu'on fout. On prend un philosophe duquel il nous apparaît important et urgent, d'une certaine façon, de nous débarrasser à cause d'une certaine place qu'il prend, une certaine place politique dans l'organisation de la, du champ philosophique, et notamment à cause de l'ampleur grandissante de certains aspects de sa philosophie. Et après, de temps en temps, on va choisir un philosophe qu'on sait aimer, Jean Bergson, ce qui ne nous empêche pas de le titiller et dire « Non, mais là, dis donc, Riri, qu'est-ce que tu racontes ?» Et pour Wittgenstein, je crois qu'on est parti plein de... Enfin, moi, plein de bons souvenirs d'adolescence, mais en fait, j'ai pas remis le nez dedans. Je me souvenais qu'il parlait de tableau, j'ai pensé que c'était un objet qui pouvait nous intéresser, puisque la chaîne est beaucoup consacrée à la question de l'art, et que c'est sous la forme d'une analogie avec le tableau artistique, hein, que Wittgenstein parle de tableau, même si on a toujours l'impression qu'il y a une confusion assez considérable qui avance dans son bouquin entre tableau pictural et diagramme, puisqu'il en parle quand même comme d'une organisation logique. Et certes, toutes les productions humaines, effectivement, sont déductibles d'avoir un certain plan logique. Il y a un plan logique à l'artisanat, par exemple. Donc, du coup, forcément, un objet artisanal, on peut dire que c'est un objet logique. C'est pas un mensonge de dire ça. Mais vous comprenez bien qu'il y a, il y a une ampleur d'un seul coup du champ logique qui n'est pas acceptable dans une philosophie qui se pose comme une philosophie logique, rationaliste, analytique, etc. Ça devient, cet excès du champ logique me paraît... comment dire, me paraît ouvrir notre clémence là où ça ne marchera pas. Ah oui, oui, non, mais n'oublie pas que le tableau, on a parlé de façon picturale. Ah d'accord, donc on peut accepter que ça bave un peu. Bah oui, la peinture, ça bave, c'est bien normal. Donc, alors qu'il l'avait affirmé comme pure tableau logique, dès le départ, bon bah, on n'y serait pas allé comme ça. Et là, on y va, et on se rend compte à mesure qu'on avance que, à minima, les attentes qu'on aurait pu avoir d'un certain sérieux de l'organisation logique elle-même ne sont pas toujours au rendez-vous. Et du coup, bah, nous voilà en train de dépasser notre seuil de perplexité prévu. En quelque sorte. Voilà. Mais c'est intéressant aussi de se pencher sur des pensées qui ne sont pas les nôtres, Tintamarre. Enfin, tu vois, c'est pas c'est ça. Le, c'est pour moi... le truc qui m'intéresse dans la philosophie, c'est de lire des gens, c'est de lire des gens avec lesquels je suis pas d'accord et de voir quels sont leurs raisonnements et de voir quels sont leurs arguments. Ce qui fait que c'est frustrant pour moi en tant que lecteur de en tant que lecteur d'ouvrages philosophiques, que mes attentes ne soient pas que mes attentes là-dessus ne soient pas comblées. Et pareil, enfin, Wittgenstein, c'était pour moi des lectures de mon passage à l'université. Je l'ai donc des lectures anciennes. Et il m'avait laissé davantage perplexe. J'avais beaucoup aimé le passage où il démonte la logique formelle. Mais la conclusion du Tractatus, qui est probablement une des phrases les plus connues de Wittgenstein, ce dont on ne peut pas parler, il faut le taire.
n'est pas la conclusion à laquelle il peut arriver, en fait. Au vu de la démonstration qu'il fait, ce n'est pas la conclusion à laquelle il peut arriver. Et cette conclusion, il y arrive pour démolir toutes les prétentions à dire quelque chose sur l'éthique, ou à dire quelque chose sur la métaphysique, ou à dire quelque chose sur la mystique. Et... Et je pense pas que ce soit une conclusion. Alors déjà, c'est pas une conclusion légitime au vu de la logique interne du texte. Et si on sort du texte, c'est une conclusion qui devient complètement illégitime. Déjà, on a les textes sur la mystique ou sur la métaphysique ou sur l'éthique existent et ne sont pas dépourvus de sens, indépendamment de l'accord qu'on peut avoir avec ces textes. J'ai pas besoin d'être d'accord avec j'ai pas besoin d'être d'accord avec le mysticisme paraphilosophique de Plotin pour le lire, ne serait-ce qu'au nom de l'influence qu'il a eue dans l'histoire de la philosophie. Il me semble que ce que Montaigne dit, par exemple, sur l'éthique, c'est pas dépourvu de sens, contrairement à ce que dit Wittgenstein. Donc voilà, là, j'ai pas... C'est pas un texte qui m'a à la première lecture qui m'a emporté vers de nouveaux horizons. Mais c'est un texte avec la relecture commentée, peut-être vitriolique mais rigoureuse. En tout cas qui s'efforce d'être rigoureuse, qu'on en fait avec Laurent, c'est un texte qui me fait pas mal froncer les sourcils, en fait. C'est ça. Alors tu penses que Jésus aurait été plus clément avec toi, mais aurait-il été aussi patient, cela? Ah, voici un raid de June. Salut June, bah, tu arrives, on n'a pas tout à fait commencé. Donc tu tombes à pic, installez-vous les gens avec le raid de June. J'espère que vous allez bien, merci à June pour le raid. Dites-nous un peu de quoi vous parliez pendant ce temps, pendant que vous nous racontez ça. Je dis bonjour à tout le monde et... est-ce que tu nous dis où on en était en termes de propositions ou je rentre dans le de ses, son petit lexique Peut-être rentre dans le petit lexique, okay. D'abord. Mmh. Okay. Et puis ensuite, on embraye. Salut Taras, salut. Salut les gens, bienvenue, installez-vous. Donc ce soir, on continue la lecture de Wittgenstein. Et ce que j'ai fait, comme il me semblait que l'organisation du texte de Wittgenstein était souvent problématique, en ce sens que beaucoup des termes, des propositions qu'il nous fait, qu'on pourrait dire des notions, qu'il nous avance les unes après les autres, ne s'explicitent que de gré en gré, en avançant dans le texte, de façon finalement plutôt erratique et assez assommante, j'ai rassemblé pour chacun des termes tout ce qu'il est considéré. Alors, on va essayer de garder en tête tout ça. C'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je vais le faire assez vite, que vous ayez une petite idée de ces objets. On va parler des objets conceptuels donc de Wittgenstein, et de voir, quand on rassemble dans une seule définition tout ce qu'il en a dit, si on comprend un peu mieux ce que sont ces choses pour lui. J'ai commencé par la définition rapide de tout ce qui est le fait, parce que comme il nous parle au début du monde et qu'il dit que le monde est déterminé par ça, déterminé par les faits, il est les faits, il est l'ensemble des faits, il se déduit des faits, donc le monde est donc tout ce qui arrive et en cela il est déterminé par les faits, il vaut mieux commencer peut-être par le fait. D'accord, voyons ce qu'est un fait petit à petit chez Wittgenstein. Alors le fait, c'est ce qui arrive. Le fait, c'est l'existence d'états de choses. D'accord ? Donc les configurations dans lesquelles sont prises les choses, on verra après ce que sont les états de choses. La structure du fait consiste dans la structure des états de choses. Alors, à chaque fois, dites-vous bien, c'est pas ce que je comprends
de Wittgenstein que je vous dis. Je veux dire, j'ai été très clair à chaque fois. Je et rapporte bâtis, ce qu'ils ont dit fois. Clairement. Voilà, je digresse pas, je n'interprète pas. Les fois où j'interpréterai, à chaque fois, je vous le dirai. Donc, le fait, hein, la structure du fait consiste dans la structure des états de choses. Il en dépend, il consiste en ça. Il y a la réalité est donc constituée des faits. Et pour Wittgenstein, c'est important d'avoir ça en tête, il y a fait positif et fait négatif, qui ont le même statut pour lui. C'est-à-dire que le fait positif est l'existence d'état de choses, le fait négatif, donc c'est l'inexistence d'état de choses, et les réalités seraient constituées des deux. Donc déjà, on a un petit problème, évidemment, on ne voit pas comment la réalité peut être constituée d'inexistence d'état de choses, parce que ça voudrait dire, évidemment, que ça l'ouvre à l'infini. Sachant que ce qui n'est pas dans une relation à une expression, eh bien, est infiniment modulable. Donc on a un petit problème. Je viens d'y penser, mais ça crée en plus une contradiction interne avec la toute première phrase, parce que dans ce cas-là, le monde, alors, encore une fois, sur les usages synonymiques de Wittgenstein, en voilà un beau, le monde et la réalité sont deux termes qui sont très souvent interchangeables chez Wittgenstein. Si la... le monde, dans ce cas-là, contrairement à ce qu'il dit, ce n'est pas tout ce qui arrive, c'est tout ce qui arrive et tout ce qui n'arrive pas. Ça devient fatalement un peu ça en substance. Oui, ça nous pose un vrai problème, je suis bien d'accord. Cette proposition ouvre à l'infini, vous voyez le problème. Parce que si 2063 est vrai, donc la réalité totale est le monde, bah alors le monde est infini. Vous voyez le problème. Puisque la réalité est constituée des faits négatifs et positifs, donc elle est infinie, ce qui veut dire si la proposition qu'il nous donne, la réalité totale est le monde, le monde est infini, Ludwig. Donc il y a un problème. Et que sait-on encore du fait? On continue. Nous, nous en faisons des tableaux. Et ça, c'est une affirmation totale. C'est-à-dire qu'il y a enfin des moments où ce « nous », je suppose qu'il veut dire « nous les humains », sinon je ne sais pas ce qu'est ce « nous », je ne sais pas à qui il parle. Donc Ludwig Wittgenstein postule que quand on est devant un fait, on s'en fait un tableau. Notre façon d'expérimenter le fait, de nous représenter le fait, c'est de s'en faire un tableau. Affirmation tout à fait gratuite, évidemment. Donc maintenant, ce monde, c'est quoi le monde chez Wittgenstein? Allez, je rassemble. C'est donc tout ce qui arrive, donc qui est déterminé par les faits. C'est les faits lui-même. Ça, c'est ce qui se déduit de la proposition 2. Donc, le monde a une substance, d'accord? Et quelle est cette substance? Il y a une proposition dans laquelle il dit la substance est formée par les objets, donc par les choses, puisque objet et chose, c'est la même chose. Donc, la substance du monde est formée par les choses. Ça, c'est 2.021, ce qui entre en contradiction, on verra, avec d'autres choses. La forme stable du monde consiste en objets, en choses. Ça, c'est 2.023. Donc, ça lie complètement sa forme stable à sa substance elle-même, puisque cette forme dépend des choses. D'accord? Ça, c'est 2.026. Le monde est aussi déterminé par les faits, la totalité des faits. Le monde, c'est donc aussi la totalité des états de choses existants. On notera qu'une implicite de l'autre, c'était également d'inexistence. Et la réalité totale est le monde. Donc, on comprend que, comme le disait Gabriel, réalité et monde sont superposables, à la condition qu'on y adjoigne le mot total, puisque c'est dans la proposition 2063. Ne me demandez pas ce que veut dire à cet endroit-là total. Je veux dire, de quoi se protège Wittgenstein en ne faisant pas une équivalence de simple entre réalité et monde, mais entre réalité totale et le monde? Je suppose que c'est relativement à cette question des choses inexistantes, c'est-à-dire non encore établies, auxquelles il accorde un certain statut. Il y a une existence de l'inexistante, j'allais dire. Il y a une apparition étrange dans l'histoire de la logique. C'est une question qui a compté dès Platon, de savoir si il y a une vérité des choses qui ne sont pas. S'il y a un être du non-être ou pas. C'est une des premières questions de la métaphysique, si je me souviens bien, chez Parménide, oui. La séparation entre être et non-être. Donc on a le monde. Donc maintenant, la grande question qu'on se pose tous et toutes, c'est quoi une chose? Du coup, pour la part la chose. Alors, on sait déjà, par rapport aux propositions de Wittgenstein, que les choses n'existent pas
hors d'état de choses. Elles n'ont pas d'existence propre, je veux dire, en dehors des états de choses, d'accord ? Elles dépendent, les choses, complètement de ces états. La chose se produit dans des états de choses. Elle constitue la structure de ces états de choses. Elle contient les possibilités de son état. Donc ça, c'est hyper important. Ça veut dire qu'il reviendra sous d'autres formes. D'une certaine manière, ça, il y a plein de philosophies logiques qui se placent devant cette question, à savoir que si avec les bons outils hypothético-déductifs, en connaissant tout des objets, on ne pourrait pas anticiper la totalité des devenirs. Alors, d'une certaine manière, quand il dit que la chose contient les possibilités de ses états, de son état, ça veut dire que il y a une certaine mesure, enfin en tout cas il y a une fermeture, il y a une limite fixée, il y a une détermination, si vous voulez, de ses possibilités. Donc la chose, gardez ça en tête à chaque fois qu'on rencontrera dans le texte le mot entité ou le mot objet, on rencontre surtout le mot objet, c'est la même chose que l'objet ou l'entité. Tintamarre nous lâche déjà. Abandon chip. Je vois. Eh ben, c'est du propre. Donc, les possibilités de la chose résident dans la nature de la chose. Donc, comme je le disais, ces possibilités sont établies. C'est le 2.0.123. Donc, les possibilités de la chose résident dans sa nature. Les possibilités de la chose, on se demande, mais qu'est-ce que c'est, puisqu'il a parlé jusque-là des possibilités de son état de choses. Là, il nous parle des possibilités de la chose, ce qui paraît étrange comme formulation. On est obligé de corriger à sa place, parce que sinon on ne comprend pas trop ce qu'il veut dire par possibilité de la chose. En gros, la chose est elle-même ou rien du tout, mais elle n'est pas une autre chose possible qu'elle-même. La chose, c'est ce sur quoi il reviendra ultérieurement, sur la différence entre les choses elles-mêmes. Pourtant, il y a un endroit où il nous dit que les possibilités de la chose résident dans sa nature. Toujours est-il que ceci est déterminé et établi. Il dit que la chose est simple, c'est ce que disait Gabriel, la chose ne peut pas être composée. Et les choses forment la substance du monde. Donc on s'était un peu arrêté sur la question de la substance, on peut dire qu'on acceptons cette définition, puisqu'on a du mal à voir de quoi parle un peu, comment... Si vous voulez, la substance... C'est déjà un vieux terme qui a été pas mal discuté à travers la longue histoire de la philosophie et ça se déplace beaucoup. Ça se déplace beaucoup probablement du fait que dès l'origine, ben, c'est un terme qui est ambigu. Il est ambigu déjà chez Aristote. Et c'est un problème philosophique. Je crois que Gabriel est beaucoup plus ferré que moi sur la philosophie antique. Moi, je ne suis pas très bon là-dessus. Mais chez Aristote, la substance a un double statut, à la fois lié à l'identité d'une chose quelconque, substance de telle ou telle chose, qui marque telle ou telle chose, mais elle est superposée, donc ce qu'on appelle l'ousia, si je me souviens bien. Oui. Et elle est superposée aussi, en d'autres termes, dans d'autres livres d'Aristote, ou parfois même à l'intérieur du même, à l'essence. Et là, c'est complètement autre chose, puisque l'essence regroupe, si vous voulez, une famille qui appartient à un ensemble dont c'est l'essence, comme, je ne sais pas, moi, traditionnellement, on parle de la chevalinité pour les chevaux, c'est l'essence des chevaux, quoi. Leur essence, c'est d'être des chevaux, donc c'est leur chevalinité. C'est complètement différent, vous comprenez bien, de la question d'une singularité, une singularité précise, formée. Qu'est-ce qu'on sait encore de la chose ? Qu'elle est incolore. Ça veut dire quoi ? Il le précise longtemps après. Il le précise 30 sous-propositions plus tard. Quand même, hein, pour dire à quel point ça vient rancher, parce que la chose est incolore, c'est 2.0.32, et ce qu'est la couleur, en fait, c'est 2.0.51, quand même. Hein. Et bien, la couleur, c'est une forme de la chose. Donc, il nous réinjecte un nouveau statut, celui de la forme. Donc, la couleur, l'espace, le temps, qu'on aurait pu penser autrefois dans d'autres formes de philosophie, par exemple aristotélicienne, comme des propriétés, des caractères, ou voire dans certains cas des accidents, eh bien en fait là ce sont les formes de la chose. La couleur est une forme de la chose, l'espace et le temps sont des formes de la chose.
Qu'est-ce qu'on sait encore de la chose? On sait qu'elle est le stable, elle est l'existant du monde. Voilà, la chose, c'est le stable et l'existant. Donc, les formes, bah, c'est l'instable et le fluctuant. On est d'accord? Maintenant, on a besoin de savoir, pour y voir plus clair, bah, c'est quoi l'état de choses, hein, du coup? Alors, on va les rassembler. On comprend quand même mieux quand on rassemble tout ce bordel. L'état de choses, c'est la liaison d'objets, donc liaison d'entités, les liaisons de choses, voilà, liaison d'objets, qui se comportent donc de façon déterminée les uns par rapport aux autres, ou les unes par rapport aux autres, les autres choses, ou les objets les uns par rapport aux autres, dans leur état de choses. Donc, l'état de choses, c'est la liaison des choses. Dans l'état de choses, il dit que les choses pendent les unes aux autres comme les maillons d'une chaîne. Ce qui suppose une détermination linéaire, selon moi. C'est-à-dire que l'état de choses doit être pensé, ce qui me paraît curieux, mais j'écoute Wittgenstein, comme une suite de subordination, mais on ne va pas dire dans la durée ou dans le temps, mais en tout cas dans un espace linéaire, un espace de pensée logique linéaire, pour ce que ça veut dire. L'état de choses est formé par la configuration des choses. La structure de l'état de choses est constituée par la manière dont les choses sont engagées en lui. D'accord ? Donc, sa forme, c'est aussi sa configuration. Voilà. Et ça, on l'a déjà vu dans la proposition précédente. La totalité des états de choses existantes est le monde. Donc, on voit que dans la définition du monde, on avait aussi ça. C'est totalité des états de choses. Et ça détermine quelle sorte d'état de choses existe et quelle sorte d'état de choses n'existe pas. Donc, la totalité des états de choses, c'est le monde. Et ça va déterminer aussi les états de choses qui n'existent pas. Les états de choses sont indépendants les uns des autres. Alors, il y a quelque chose, on pourrait dire, qui les isole. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un isolement logique ou un isolement matériel? Je suppose que c'est l'isolement logique. Ça veut dire que le lien est dans un substrat plus profond. C'est probablement la substance du monde, j'imagine. On ne peut pas déduire de l'existence, alors ça c'est important, on ne peut pas déduire de l'existence ou de la non-existence d'un état de choses celle des autres, celle d'un autre état de choses. Donc c'est leur caractère indépendant. Voilà, ce qui suppose que l'indépendance des états de choses, elle est, il faut la penser en termes de causalité. Il n'y a pas de causalité dans le monde tel que le pense Wittgenstein. Ben, c'est un peu ça, ouais. C'est-à-dire que les liaisons d'objets, des choses, etc., ne dépendent pas de la liaison d'objets ou d'autres choses. Un état de choses, enfin son existence en tout cas. Je ne dis pas qu'un état de choses ne dépend pas d'un autre état de choses, mais en tout cas, son existence ne dépend pas de l'existence d'un autre état de choses. Voilà. C'est difficile de replacer tout ça dans le monde, on est d'accord, hein, vous comprenez. Alors, on arrive à la fin. Donc un énoncé a la même propriété que les choses structurellement, c'est tout ce que j'ai appris sur l'énoncé pour l'instant, le mot énoncé n'est apparu jusqu'ici qu'une fois, et il y a la proposition. Alors la proposition, parce que comme il nous l'a pas encore fait, mais nous on vous spoil, on sait déjà ça, on sait déjà que Wittgenstein va nous dire que le tableau est une proposition. Mais bon, du coup, il vaut mieux savoir quand il va nous reparler de tableau, de quoi il parle, quand il parle de proposition, sinon on va être dans la merde. Le sens. La vérité d'une proposition dépend de la substance du monde et pas de la vérité d'une autre proposition. Donc là, il y a indépendance causale des propositions entre elles. Ça dépend de la substance du monde. Donc on pourrait dire une espèce de plan, toujours pareil, hein, un plan antérieur, le plan de la substance. Voilà, qui est le seul finalement qui soit d'une certaine manière unifié. La proposition, elle représente les propriétés matérielles. Ça c'est une phrase assez curieuse, c'est en 2.0.231. Mais ça veut dire que, en cela, il anticipe le fait que le tableau soit une proposition, puisqu'il donne déjà à la proposition des caractères.
des valeurs qu'il donnera au tableau par la suite dans une capacité à représenter les propriétés matérielles, c'est-à-dire à entretenir avec le monde des choses et des états de choses, enfin, le monde des états de choses et des, comme celui des objets, entretenir des liens, des relations, et si possible, je pense, parce que c'est ce qu'on verra dans le tableau, des propositions, que moi j'appelle homothétiques, hein, c'est un terme qui va sembler un peu barbare, mais que utiliser en dessin, et d'une certaine manière, qu'il met en branle sans jamais le prononcer, mais vous verrez quand il parle de tableau et des relations entre les tableaux et le monde, il parle d'un certain type de lien, d'un certain type de contact entre les tableaux et le monde, avec des rapports de configuration, avec une certaine homogénéité des rapports, et surtout une certaine harmonie de ces relations entre elles. Donc on peut dire qu'il est homothétique au sens où, quand vous faites une homothétie, c'est pas très compliqué, vous avez par exemple un format A4, pour dire les choses connement, et homothétique un format A3, je peux vous montrer ce que ça veut dire, voilà, comme ça on va faire ça tout de suite, que vous voyez ce que c'est. Là, vous avez un format A4. Ah, par contre, je sais pas si on voit bien, ça va. Là, format A4. Et en fait, si vous prenez la diagonale du format A4 et que vous allez vers là, eh ben, tous les rectangles qui vont conserver ce rapport sur la diagonale seront dits homothétiques au A4. Donc là, vous avez un A4, là, vous avez un A3, là, vous avez un A2. Ils sont dits homothétiques, ils ont les mêmes rapports de largeur et de hauteur. Il y a une espèce de constante dans leur rapport géométrique. C'est ça qu'on appelle une homothétie. Voilà. Voilà pourquoi je parle d'homothétie, hein, de la proposition avec le monde. Et on finit par le tableau. Voilà, le tableau. Alors, j'ai rassemblé tout ce qui était dit du tableau. Est-ce que ça te paraît inutile tout ça, Gabriel, ou est-ce que ça nous aide un peu ? Ah non, du tout, on y voit plus clair, quand même. Oui, vraiment. Alors, les tableaux. Le tableau. Nous en faisons des faits. Nous nous faisons des faits un tableau. Ça, il l'a affirmé. Je ne vois pas en quoi ça tient debout. Je pense qu'il y a mille façons d'être en relation avec un fait, quel que soit le sens que vous donniez au mot fait, et même le sens wittgensteinien. Il n'y a pas de nécessité à s'en faire un tableau. D'accord ? Pourtant, c'est une affirmation de Wittgenstein. Le tableau représente le fait. Donc, il représente ce qui arrive, hein, on en revient à sa définition, dont la structure consiste dans celle des états de choses. On est d'accord ? Tout ça dans l'espace logique, on peut dire. Le tableau représente donc l'existence d'états de choses, donc de faits, dont la structure consiste dans celle des états de choses. Et tout ça, vous le trouvez en 2.034. Donc, le tableau représente l'existence d'états de choses, il les représente, donc il vaut pour, d'une certaine manière, dans son propre système, en gardant avec les états de choses, un point que j'appelle le point d'homothétie, mais qui est la structure. Le tableau est une transposition de la réalité. Donc ça veut dire déplace dans son champ logique, la réalité. Sachant que la réalité totale, vous vous souvenez, c'est le monde, sachant que la réalité est constituée des faits négatifs et positifs, donc vous comprenez, les faits négatifs, c'est l'effet l'inexistence d'état de choses, fait positif l'existence d'état de choses. Donc si le tableau transpose cette réalité, c'est-à-dire que dans son propre système, il est constitué lui-même de ses existences et inexistences. Voilà ce que veut dire l'inexistence d'un état transposé de choses à l'intérieur d'un tableau. Je sais pas, c'est peut-être la chose soustraite hypothético-déductivement de ce que nous voyons. Mais le problème, c'est que comme c'est infini, je vois pas très bien où ça nous mène, pas a priori nulle part. Ça reviendrait à dire que le tableau affirme par ce qu'il est aussi tout ce qu'il n'est pas. Sauf que tout ce qu'il est, on peut en être comptable, tout ce qu'il n'est pas, nous ne pouvons pas l'être. Vous voyez le petit problème. Du tableau, les éléments correspondent aux choses. Donc aux objets, aux entités. Donc, des simples, puisque ce sont des simples, ce qui veut dire qu'il y a dans le tableau, et oui, déduction logique, il y a des simples dans le tableau. Gardez en tête, c'est là que ça devient un problème, gardez en tête
qu'il a pris l'exemple du tableau pictural. Alors, si je peux considérer qu'il y a bien des simples dans un tableau logique, dans une logique formelle, je serais très étonné qu'on puisse mettre le doigt sur un simple à l'intérieur d'un tableau pictural. Je ne vois même pas de quoi il parle. Le tableau est profondément impur. Et tout ce qui se situe sur la surface du tableau est loin d'être déterminable en séquences isolables, en petits éléments. Un tableau n'est pas une adjonction composite d'éléments agencés les uns par rapport aux autres de façon logique et surtout de façon isolable et discrétisée. Ça ne fonctionne pas. Donc ça suppose aussi... Et oui, puisque si ce sont des simples, les objets et les choses, et dont il a dit qu'ils étaient incolores, ça suppose qu'il y a un mode de coloration dans le tableau qui est lui-même analogique. On est d'accord. Donc la forme dans le tableau renvoie à forme dans le monde et son mode de coloration, c'est-à-dire de sa façon d'attribuer aux objets des valeurs instables d'une certaine façon, trouve son équivalent dans la modalité de coloration à la modalité de coloration du monde. Alors qu'il a évidemment son mode de coloration propre, sans vouloir abuser de la lecture picturale du terme, vous voyez bien que ça nous pose quelques problèmes, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'analogie nette, discernable, entre le mode de coloration du tableau, qui est impur également, hein, et qui rassemble les objets. Il ne les distingue pas, il les rassemble. Vous voyez le problème. Que nous dit-il du tableau ? Qu'il trouve son fondement dans la détermination des rapports entre ces éléments, qui sont homothétiques selon moi, au rapport des choses auxquelles il se réfère, des choses entre elles. Donc, le fondement du tableau, c'est son terme. Je ne sais pas ce qu'il entend par fondement du tableau. Hein. Mais ce fondement serait dans la détermination des rapports entre ces éléments. De façon égale à la détermination des rapports entre les choses elles-mêmes, donc en tant qu'éléments elles aussi, mais éléments des... Alors même pas des états de choses, puisqu'il parle des rapports des choses entre elles auxquelles le tableau se réfère. La structure du tableau est à comprendre donc comme une connexion de ces éléments. Et la possibilité de cette structure, donc le fait que ce soit telle structure plutôt qu'une autre, c'est ce qu'il appelle forme de la représentation. C'est important parce qu'il va parler plusieurs fois de forme de la représentation, donc on aura bien dans notre petite tête l'idée que quand Wittgenstein parle de forme de la représentation, il parle de la possibilité de sa structure. D'accord ? Donc il faut bien comprendre que la question de la forme de la représentation, bah, on l'avait vu avec Baxendale, elle est essentielle. C'est qu'effectivement, nous, on regarde la représentation et la forme de la représentation, elle est implicite. Nous ne la regardons pas directement. Mais pour autant, comme elle repose sur... elle est très contractuelle, elle représente la forme de la représentation, c'est un tissu socio-historique qui porte les garanties d'un entendement possible à tel ou tel endroit, de tel tableau, dans le moment de son apparition. Elle est donc déterminée par des causes extérieures à une structure interne logique. Et c'est en cela que la proposition de Wittgenstein pose quand même un petit problème aussi, parce qu'il écarte évidemment toutes ces questions socio-historiques qui sont en bas complètement les steaks. La forme de la représentation, donc c'est la possibilité de sa structure, elle est contrainte par les états de choses possibles, d'accord, qui dépendent eux-mêmes de la nature des choses, sur laquelle repose de façon déterminée la possibilité des états de choses. Donc on voit là les liens entre possibilité de la structure du tableau et possibilité des états de choses. On continue sur le tableau, parce qu'il nous en dit quand même beaucoup. Il dit que le tableau atteint la réalité. Donc c'est une sorte d'étalon homothétique de la réalité, sachant que la réalité est constituée des faits, vous vous en souvenez, hein, d'accord ? Il faut que j'arrête de dire d'accord à la fin de chaque phrase, parce que vous n'êtes pas là pour me dire « oui, d'accord, on a bien compris ». C'est ton « du coup ». Oui, c'est mon « du coup », ouais. Je vais arrêter ça tout de suite. Bon, je vous promets que j'arrête de dire « d'accord », c'est très énervant. On dirait les humoristes, tu sais, qui te balancent un petit « d'accord » à la fin de chaque proposition dite marrante. C'est tout à fait exaspérant. Ça m'énerve chez eux, il n'y a pas de raison que ça ne vous énerve pas chez moi. Donc, il atteint la réalité et il contient
autre chose, ça lui appartient, il dit. Donc, ça contient ça. Il contient la relation de représentation. Il contient la relation de représentation. Donc, cette relation de représentation, qu'est-ce que c'est? Elle établit la façon dont les éléments du tableau, dont ses propres éléments, sont coordonnés aux choses. C'est ça qu'il appelle la relation de représentation. C'est la façon dont elles sont en contact, dont ces éléments sont en contact avec la réalité, c'est-à-dire avec les faits. Donc, ça veut aussi dire, et c'est important, que Wittgenstein soustrait le tableau du tableau. Vous comprenez? Il fait du tableau, si vous voulez, une pure transitivité. Alors que la première chose qui apparaît du tableau, c'est le tableau. C'est-à-dire qu'il représente également lui-même. Il y a un objet supplémentaire au tableau qui est le premier que le tableau représente, c'est lui-même en tant que tableau. Il ne se cache pas, il ne s'efface pas derrière la représentation. Il n'est pas une fenêtre sur le monde, il est un tableau que nous regardons comme tableau. Et ça, c'est important quand même. Donc, c'est là-dessus que repose la relation. Il ne se contente pas de contenir la relation. Il l'affirme d'une certaine manière. Alors, pour finir avec le tableau, il partage avec la réalité. Donc, vous vous souvenez que la réalité est constituée des faits. Il partage donc avec les faits pour les représenter. La possibilité de sa propre structure, c'est-à-dire la forme de sa représentation. Donc il hérite d'une certaine manière de la réalité constituée de faits, la possibilité de sa structure, c'est-à-dire la forme de représentation. D'une certaine manière, on commence à se demander, mais qu'apporte-t-elle de plus la forme de la représentation, puisqu'elle n'est qu'une autre façon de redire le type de lien qu'il entretient avec elle? Avait-on besoin, dans ce cas-là, de parler d'une relation supplémentaire, puisqu'il semble y avoir une espèce d'analogie continue entre la structuration des choses dans les états de choses et la structuration des éléments du tableau à l'intérieur de lui-même, puisqu'il partage avec la réalité la possibilité de sa propre structure. Voilà. Donc, il ne peut pas avoir de structure propre, c'est-à-dire de forme de la représentation, en dehors de celle qu'il hérite de la réalité, c'est-à-dire des structures de l'organisation des états de choses. Voilà. Donc, on a déjà un certain nombre d'affirmations, et je pense que... Est-ce que je mettrais 1 euro dans une boîte à chaque fois que je dirais d'accord? Tu as raison, si je vais faire ça. Et avec les sous, je ferai une petite caisse pour aider les dégénérés à faire leur prochain fanzine. C'est ça, dans la même boîte que le calembour fatidique de Solarius. Voilà. Est-ce qu'on y voit un peu plus clair dans les différentes notions wittgensteiniennes, là? Ah oui, c'est fascinant de voir un peu plus clair dans ce qui est fondamentalement embrouillé, mais oui... C'est embrouillé dans le texte, en fait. Ouais. C'est un des aspects qui m'avait déjà troublé il y a si longtemps, c'est que le Tractatus se donne l'apparence de la rigueur avec ses 1.1, 1.1, 1.2, etc. Comme si, les propositions suivent un ordre raisonné. Très clairement, la structure réelle du Tractatus et sa structure affichée ne sont pas superposables. Non, commence à y voir quelque chose d'un peu artificiel, du coup. Oui. Ça nous mène, ton résumé nous mène là où nous étions arrêtés la dernière fois, c'est-à-dire à la proposition 2.181. Si la forme de représentation est la forme logique, l'image est appelée image logique. Alors, je vais essayer dans ma lecture
Dans ma traduction qui est plus récente que celle que Laurent a à sa disposition, le terme allemand de Bild, qui chez Laurent est traduit par tableau, dans ma traduction est traduit par image. Bild supporte ces deux traductions. Donc, je vais essayer de lire tableau quand je verrai image à des fins de clarté, mais si je glisse, l'auditeur attentif et les auditrices attentives corrigeront d'y elles-mêmes. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée parce que vraiment, on s'inscrit dans un champ où le référent fondamental est quand même un référent plutôt pictural. Et s'il y a bien un terme extrêmement polysémique et très compliqué à manipuler, c'est le terme d'image. Donc, si on peut s'épargner une complexité supplémentaire, oui. Je pense que c'est aussi bien. Alors, cette proposition-là, si la forme de représentation est la forme logique, l'image est appelée image logique. Elle est troublante sur ce point, c'est que est-ce que dans la philosophie de Wittgenstein, il peut y avoir autre chose que des images logiques, puisque les images sont la représentation d'états de choses et que la structure fondamentale des états de choses est la structure logique. Il n'y a pas de possibilité d'avoir des images qui soient autres que des images logiques. Et c'est appuyé par la proposition qui vient juste après. Pardon, vas-y. Oui, c'est ça. C'est qu'il s'est attelé jusqu'ici à nous donner une série de propositions pour décrire le tableau qui en font un tableau logique. Donc, cette petite précaution où il dit, dans le cas où la forme de la représentation, c'est ce qu'il dit, hein, si la forme de la représentation est la forme logique, le tableau s'appelle un tableau logique, certes, mais il ne nous a pas vraiment laissé la possibilité de penser la forme de la représentation en dehors de ce cadre jusqu'ici, tel qu'il a défini pas à pas et bordéliquement le tableau. Et donc, c'est appuyé par la proposition suivante, donc 2.182, toute image est en même temps image logique. Tout tableau est un tableau logique. Ah pardon, tout tableau est en même temps un tableau logique. Donc à quoi servait la proposition d'avant ? À rien, je suis d'accord. Ben voilà. Et qui se suit par, au contraire, tout tableau n'est pas spatial. Comment ça ? Enfin, comment ça, au contraire ? En quoi la spatialité, c'est le contraire de la logique ? Le tableau n'est pas nécessairement étendu dans l'espace, parce qu'il a fait de l'espace, comme la couleur et comme le temps, des éléments de la forme et des objets. Des éléments de la forme, c'est-à-dire précisément non stables. Voilà. Donc, n'appartenant pas de façon ontologique, on va dire, aux objets, donc pas plus au tableau. Et ce que le chat montre clairement, c'est que l'auditeurice attentive n'existe pas. Il ne peut pas nous faire de mal. C'est vrai. Il ne peut pas nous faire de mal s'il n'existe pas. Voilà. Proposition suivante, 2.19. Donc, on remonte d'un cran dans l'organisation affichée du traité, l'image logique peut représenter le monde. Qui est une conséquence, qui est la conséquence directe des affirmations précédentes, puisqu'il n'a pas arrêté de nous parler de la superposabilité de l'image et de l'état de choses et de la capacité de l'image à représenter des états de choses. Donc oui, l'image logique peut représenter le monde. Donc ce qui en veut dire que le tableau logique peut représenter tout ce qui arrive.
Oui, puisque c'est le monde. Et tout ce qui n'arrive pas. Et donc, elle peut représenter la totalité des états de choses existants. 2.2. Le tableau a en commun avec le représenté la forme logique de représentation. Là encore, je vois difficilement comment commenter parce que c'est j'ai l'impression qu'il est rentré dans une ritournelle. Un peu, oui. Ritournelle de la forme logique, donc, et de la communauté de liens entre le tableau et ce à quoi il se réfère, à savoir essentiellement une structure sous-jacente, donc une possibilité de structure, en tout cas, la forme de la représentation qui est forme logique. 2.01. Le tableau représente la réalité en figurant une possibilité de subsistance et de non-subsistance d'état de choses. Puisque les états de choses, certains états de choses existent, certains états de choses n'existent pas, mais que cette espèce de bouillonnement d'états de choses forme le monde. Oui, un tableau peut représenter des faits qui ne sont pas actualisés. En tout cas, même si c'est pas un terme, c'est un terme de la philosophie aristotélicienne, donc c'est peut-être un petit peu maladroit de l'utiliser pour commenter Wittgenstein, mais et pardon, tu voulais dire ? Oui, je voulais dire qu'il note quand même une possibilité, c'est-à-dire qu'il représente donc pas forcément l'existence ou la non-existence, enfin la subsistance ou la non-subsistance, mais il représente leurs possibilités. Oui. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il se garde bien, effectivement, de laisser imaginer qu'il puisse représenter la non-subsistance des états de choses, qu'il puisse représenter une non-existence. Mais il représente leurs possibilités. Bon courage, Pofo Piccolo. Oui. Et j'espère que ce n'est pas grave pour ta fille. En 2.202, l'image figure une situation possible dans le tableau figure une situation possible dans l'espace logique. Une situation possible, moi j'ai un possible état de choses. Ce qui est normal puisque il n'y a que cela qui est accessible. On ne peut pas accéder aux choses mais aux états de choses. Donc appeler chez toi, ça y est, j'ai oublié déjà dans ta traduction, représente quoi? C'est une situation possible dans l'espace logique. C'est ça, situation. Donc le état de choses est donné pour situation chez toi. D'accord. 2.203. L'image contient la possibilité de la situation qu'elle figure. Donc on parle bien des possibilités. C'est-à-dire que l'image rend compte d'un possible. Et notamment, là, en l'occurrence, d'un possible manifesté. Mais un possible qui ne manifeste pas les choses elles-mêmes, mais l'état de choses, puisqu'on n'a pas accès aux choses en dehors des états de choses. 2.21. Le tableau s'accorde ou non avec la réalité. Il est correct ou incorrect, vrai ou faux. Alors là, on a un nouveau problème, j'ai l'impression. Oui. Parce que là, il postulait la nécessité du tableau pour rendre compte, mais d'un seul coup, il ouvre à l'hypothèse qu'il ne rende pas compte. C'est-à-dire qu'il peut être vrai ou faux, un vrai ou un faux tableau de la réalité. Sachant que, au vu de ce qu'il a dit précédemment, on peut pas,
on peut pas s'en sortir en supposant que Wittgenstein veut nous dire qu'un faux tableau, ce serait un tableau qui représenterait simplement des états de choses possibles plutôt que des états de choses existants. C'est clairement pas de ça qu'il s'agit. Ça, donc, si un tableau représente des états de choses impossibles, à ce moment-là, ce n'est pas un tableau logique, puisque, encore une fois, la structure fondamentale du monde est une structure logique. Donc, un tableau faux serait un tableau impossible, donc un tableau illogique. Or, on a en 2.182, tout tableau est en même temps tableau logique. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce faux ? Comme tu dis, Lucie, très bizarre ce vrai ou faux. S'il est vrai ou faux, selon qu'il s'accorde ou non avec la réalité, c'est-à-dire selon que sa forme de représentation, dont tu l'as pourtant dit, en forme de représentation, c'est possibilité de sa structure. Vous vous souvenez de ça, hein ? Elle est contrainte par les états de choses possibles. De cette contrainte des états de choses possibles va dépendre la forme du tableau. Donc, à partir de là, on voit mal où se glisserait, à l'intérieur de cette relation, la vérité ou la fausseté. On comprend ce qui parle de fidélité ou d'infidélité. On comprend que peuvent se glisser des accidents dans la relation. Mais c'est parce qu'il a supposé qu'au départ, cette relation devait atteindre un certain type d'exactitude. Ce qui, en soi, casse, d'une certaine manière, la capacité du tableau à produire la relation elle-même, parce qu'à la fois, il la donne pour déterminer, et à la fois, d'un seul coup, il y introduit une notion d'indétermination. En tout cas, dans cette fidélité ou cette infidélité. Donc, oui, il va l'expliquer en 2.222, hein, ce qui est sur la vérité ou la fausseté. Donc rassure-toi, Lucie, comme d'habitude, il nous explique après ce qu'il vient de nous dire. Donc on est obligé d'être patient, il fait des suspens tout le temps. C'est ça. Tu vas voir. Alors, en 2.22, l'image figure, le tableau figure ce qu'il figure, indépendamment de sa vérité ou de sa fausseté, par la forme de représentation. C'est-à-dire par la possibilité de sa structure. En 2.221, ce que le tableau figure est son sens. Alors, la question du sens ou de la réalité, on l'a ailleurs, où je l'avais noté. J'avais noté ça. Merde. Je retrouve plus ça. Ah bon, c'est pas grave. Si je vous le retrouve tout à l'heure, je vous dirai. Je cherche pendant que je te laisse poursuivre. Attends, je vais chercher. Je vais regarder dans l'index s'il n'y a pas. C'est ça. À propos de la proposition, il disait « Sa vérité dépend de la substance du monde et pas de la vérité d'une autre proposition. » C'est ça. Donc là, on va rentrer là-dedans. Les rapports de vérité ou de fausseté vont donc sans doute être déterminés par les rapports avec la substance et pas avec d'autres tableaux, d'autres propositions, mais simplement d'un type de relation avec la réalité dans laquelle devra se puiser la certitude de vérité ou de fausseté.
C'est-à-dire la façon dont le tableau va se rapporter avec justesse ou pas à la substance du monde. Et là, on a... C'est-à-dire le plan invariant, quoi. On a un bel exemple de Wittgensteinisme, puisque d'après l'index de mon édition, donc sans Césine, S-I-2-N, ouais. C'est la première fois que sens apparaît dans le Tractatus, à cette proposition 2.21, sans qu'il nous dise ce qu'il entend par sens, mais que manifestement, et qui va, mais c'est un terme, ce zin, ce sens, qui va réapparaître de nombreuses fois dans la suite du texte. Donc je suppose qu'on a affaire à un Wittgensteinisme de faire débarquer un terme pour nous dire après qu'est-ce que c'est que ce terme qui débarque et qu'est-ce qu'il entend par là. Donc ce que l'image figurait son sens, on était en 2.221, 2.222. Donc ce que tu mentionnais plus tôt, Laurent, c'est dans l'accord ou le désaccord de son sens avec la réalité que consiste la vérité ou la fausseté du tableau. Alors, la notion de vérité, on en avait eu une toute petite approche par rapport à la substance du monde dans la proposition 2.0211. Si le monde n'avait pas de substance, le fait de savoir si une proposition a un sens dépendrait de celui de savoir si une autre proposition est vraie. Et comme le tableau est une proposition, on peut traduire, si le monde n'avait pas de substance, le fait de savoir si un tableau a un sens dépendrait de celui de savoir si un autre tableau a un sens. Donc là, il n'en est pas question de devoir déterminer la vérité ou la fausseté d'un tableau par d'autres tableaux, mais bien à l'intérieur de lui-même, par les relations données dans la proposition ici, 2.222, dans l'accord ou le désaccord du sens du tableau avec la réalité. Voilà. Donc, ce qu'on appelle en logique formelle la valeur de vérité, donc c'est une proposition est vraie ou fausse, donc dans la définition que la logique formelle donne à la vérité et qui est celle de Wittgenstein. Hein. Est-ce qu'une proposition est vraie si elle est superposable à un état de choses? Un tableau est vrai s'il est superposable à un état de choses? Et comme il faut pour Wittgenstein, pour des raisons qui m'échappent, que les états de choses soient indépendants les uns des autres, que d'avoir complètement éliminé un rapport causal entre les états de choses, on a juste des états de choses qui apparaissent, qui disparaissent. On a, comme je l'avais dit précédemment, un monde qui clignote sans cesse. Et je suis pas bien sûr de ce qui se joue là pour Wittgenstein dans ce refus d'admettre le changement dans sa philosophie, mais dans le monde dont il parle. Il fait reposer cette stabilité que sur la substance. À la surface de laquelle, juste dans des lieux de relation finalement de celle-ci avec les états de choses, qui sont, on pourrait dire, optionnels d'une certaine façon, la possibilité d'une interrogation du vrai ou du faux de nos relations au monde. Et le tableau donc souffre, je dirais, exactement de cet héritage d'une certaine façon. Et tu as raison, nous dit Solarius, c'est un teaser national en fait. Il fait des teasers nationaux permanents. C'est exactement ça. Ouais. Donc le sens du tableau est constitué de ce qu'il représente. Sachant que ce qu'il représente, c'est juste les effets de sa forme de représentation, de la possibilité de sa structure. Qui, on l'a compris, est héritière de celle des choses entre elles.
Alors ensuite, on a en 2.223, pour reconnaître si le tableau est vrai ou faux, nous devons le comparer avec la réalité. Donc, comme pour, tableau, proposition, même chose, enfin, même définition de la vérité. Ce qui est marrant, c'est ce que ça implique, c'est que le tableau nous est complètement inutile pour l'accès à la réalité, puisqu'on peut comparer à la réalité, c'est qu'on y a accès. Excusez-moi, mais c'est la déduction logique de la proposition 2.223. Pour reconnaître si le tableau est vrai ou faux, nous devons le comparer à la réalité. Donc voilà, ça explique une modalité d'accès nécessaire à la réalité, à l'endroit de laquelle nous pouvons nous dire, mais de quoi peut bien nous servir alors le tableau dont, obstinément, nous persistons à produire comment l'existence pour répondre à l'existence des faits. Puisque des faits, vous vous en souvenez, nous nous faisons des tableaux. Dans son souci d'avoir une philosophie où tout se superpose, où tout est bien rangé, bah finalement c'est tellement bien superposé tout ça que quel est l'intérêt de parler d'autre chose que des tas de choses, parce que si on est dans une identité telle entre l'état de choses, le tableau et la proposition, on est dans des degrés d'intrication tels que c'était quoi l'utilité de les distinguer ? Je ne sais pas trop. Alors, pour répondre à Morina Théo, qu'est-ce qu'il entend par vrai ou faux ? Il est dans la définition que la logique formelle va utiliser pour la vérité, c'est-à-dire que une proposition est vraie si elle correspond à quelque chose dans la réalité. C'est ça. C'est ça. La proposition « cette balle est rouge » est vraie si cette balle est rouge. Pour le dire autrement, Morina Théo, il ne place pas la question de du vrai ou du faux en dehors de la capacité du tableau à rendre fidèlement les rapports de représentation à quelque chose de trouvable dans les propriétés matérielles. Puisqu'il a dit ailleurs, la proposition représente les propriétés matérielles et le sens, la vérité d'une proposition, ça c'est 2.0211, a un plan de vérité. Le plan de vérité de la proposition, qu'il rapporte ici au tableau, puisqu'il fait du tableau une proposition, dépend de quoi ? De la substance du monde et pas de la vérité d'une autre proposition. Donc on parle vraiment de la substance du monde en dehors des états de choses. Donc la seule chose stable d'une certaine façon. Mais du coup, la vérité ou la fausseté dans le cadre qui nous préoccupe, c'est juste fidélité ou infidélité à un report analogique de configuration. Voilà. Donc 2.223, pour reconnaître si l'image est fausse, nous devons la comparer avec la réalité. 2.224, à partir du seul tableau, on ne peut reconnaître s'il est vrai ou faux. Un tableau ne contient pas en lui-même sa valeur de vérité, une proposition ne contient pas en elle-même sa valeur de vérité. Sa valeur de vérité se déduit de la comparaison avec un état de choses. Et c'est important dans la philosophie que nous propose Wittgenstein ici, parce que si... Bonne nuit, Solarius, à bientôt. Bonne nuit, Solarius. Si les propositions ou les tableaux... Et merci pour le packer. Le packer. Ah, le packer. Ah oui, d'accord. Oui, en deux mots, d'accord. Si les tableaux ou les propositions contenaient en eux-mêmes leur vérité, à ce moment-là, les propositions pourraient, leur vérité ou leur fausseté, les propositions pourraient former un ensemble indépendant de la réalité. Donc en fait, les propositions formeraient ce que entre êtres humains nous appelons un langage,
c'est-à-dire très, très, très largement indépendant des relations avec le monde extérieur, et Wittgenstein n'aime pas ça du tout. Le langage. À cette époque-là, il va revenir partiellement dessus dans les investigations philosophiques. À cette époque-là, le langage, c'est une boîte à outils. Enfin, il revient vraiment très partiellement dessus dans les investigations philosophiques parce que c'est quand même, même là, hein, où il est censé revenir et remettre les choses à plat par rapport à ce qu'il a dit en 1920. Même là, il commence par dire que le langage, c'est quand même fondamentalement une boîte à outils. C'est défectueux. Ouais. Mais il faut comprendre des trucs. Le monde des choses, a priori, est continu. Et il se trouve que l'organisation des langues ne l'est pas. Voilà. Donc il y a quand même une espèce de coupure structurelle qui interdit un mouvement par lequel on prétendrait rendre compte du premier, hein, le monde, par les moyens organisationnels du second, le langage, c'est-à-dire à travers les langues, puisque nous le connaissons, en tout cas pour la verbalisation, à travers les langues. Donc ça interdit, hein, un mouvement analogique, du moins en prétendant trouver un quelconque moment de spécularité, un jeu de miroir entre les deux. Donc, ça... Sauf si, comme Wittgenstein, on fait du monde un discontinu. C'est l'astuce. C'est une astuce, c'est vrai. Salut à toi, le Pierre Boulez. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que c'est de fait, et pour des raisons compréhensibles par l'entendement humain, le fait de langue qui arbitrairement découpe la réalité aux endroits où on en a besoin. Le fait de langue est un fait de nécessité, vous comprenez ça très bien. Et le fait de nécessité, en plus, il est, là, c'est horreur pour Wittgenstein, il est d'une certaine manière... uniquement plié à du momentané, à du contractuel, c'est-à-dire que, et même à l'échelle individuelle, hein, la nécessité d'opérer ces découpes par un fait de langue, il est juste, comment dire, ponctuel, même à l'intérieur de la vie d'un seul locuteur. Le locuteur n'a pas toujours besoin d'arrêter le fait de découpage verbal au même endroit du monde selon les moments de son existence. Il a parfois la nécessité de parler d'un champ et parfois besoin de parler d'un brin d'herbe. Et ça dépend que du moment de vie dans lequel s'implique la nécessité de parler de quelque chose plutôt que de rien. Donc le fait de langue découpe la réalité, il ne va pas chercher dans la réalité La découpe parce qu'elle n'existe pas. Donc le fait de langue ne rend pas visible en quelque sorte la discontinuité du monde. Il ne peut pas rendre visible la discontinuité du monde parce qu'elle n'existe pas. Donc il produit de la discontinuité dans ses nécessités arbitrairement, selon les nécessités, selon un cadre contingent d'observation ou d'expertise ou de description. Alors, la proposition 2.225 est, à mes yeux, simplement une reformulation de la précédente. Oui, c'est ça, oui. Puisque la proposition 2.225 nous dit « il n'y a pas d'image vraie a priori ». Il n'y a pas de tableau vrai a priori. Il n'y a pas de tableau vrai a priori. A priori, donc, indépendamment, en elle-même, intrinsèquement. C'est ça. Alors là, on passe à un nouveau segment. Ah, ah oui, il amène un nouveau concept. on était dans la deuxième partie de cet ouvrage qui en compte 7 de taille très inégale. Donc là, la troisième partie s'ouvre sur 3. L'image logique des faits et la pensée. Donc, il nous amène la pensée. Là encore, on va vers du compliqué quand même, hein, parce que la pensée, c'est difficile de dire ce que c'est. Sauf pour Wittgenstein. Sauf pour Wittgenstein, on comprend que la pensée, c'est le tableau logique des faits, c'est-à-dire le tableau logique que l'on produit de tout ce qui arrive.
Parce que le fait, c'est ce qui arrive. Le fait, c'est l'existence d'un état de choses. Je vous ramène au début. Donc, hein, le fait, c'est l'existence d'état de choses, dont la structure consiste dans la structure des états de choses. Voilà, le fait, ça se fonctionne comme ça. La structure du fait est prise dans la structure des états de choses. Le fait est ce qui arrive. Donc, le tableau logique de tout ce qui arrive, ça constitue la pensée. Donc, ça donne à la pensée un statut particulier. On veut dire que, d'une certaine manière, à cet endroit-là, ce que j'entends, moi, c'est une superposition structurelle de la pensée au monde des faits. C'est-à-dire qu'il postule déjà de la pensée de la discontinuité. Puisque les faits sont discontinus. C'est pas rien, ça. Oui. Ah oui. C'est-à-dire que la pensée est constituée d'isola. Je ne sais pas comment on peut s'en sortir conceptuellement avec ça. Parce que là, pour le coup, il nous est très difficile de penser la pensée dans le penser, dans le fait de penser, si vous voulez. La pensée devient un champ. Elle n'est plus une activité à cet endroit-là, avec ses propositions continues, avec son entrelacement, dont les configurations, la constructuration nous échappent fondamentalement. Elle a une configuration qui est celle d'un tableau logique de tout ce qui arrive, le tableau des faits. Oui, on avait une philosophie qui ne nous permettait pas de penser le mouvement, et en toute logique, cette philosophie interdit à la pensée d'être mouvante, donc on a une philosophie qui ne nous permet pas de penser la pensée, en fait. Et là, on voit se dessiner. Je vais quand même en parler là, puisqu'on va, on va pas arriver jusqu'à la septième partie et son fameux. Jamais. On peut pas. Jamais. Jamais. Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. C'est que. Dans la mesure où il y a superposition exacte entre la pensée et ce qu'on peut dire, il va nous dire dans la suite de ce chapitre 3 que ce qui est illogique ne relève pas de la pensée. C'est ça. Donc, seule pensée, c'est la pensée. C'est l'image logique des faits. Donc, faut comprendre ce septième point si célèbre à la lumière de ce troisième point. Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Ça veut dire que la seule chose dont il soit légitime, la seule chose qu'il soit légitime de faire pour la philosophie, c'est de se servir de cette boîte à outils. La seule pensée légitime, c'est cette superposition aux états de choses. Je ne sais pas comment Wittgenstein peut écrire le Tractatus Logico-Philosophicus, parce que on aura noté, peut-être, que il n'y a pas des masses de ces propositions qui correspondent à ce qu'il juge une proposition vraie. Il n'y a pas des masses de propositions du Tractatus qui soient des descriptions d'état de fait. Les propositions du Tractatus sont des commentaires de la possibilité de ces descriptions. Donc, si la pensée, c'est juste ça, l'image logique des faits, ça veut dire que le Tractatus Logico-Philosophicus n'est pas de la pensée. Il n'a pas pu être pensé dans ces conditions, c'est vrai. Voilà. Or, il l'a été. Puisque nous le lisons. Il l'a même écrit.
Ou il l'a écrit sans le foncer. Et des fois, on se pose la question quand même. Oui, oui. Mais soyons généreux. C'est peut-être un grand jet d'écriture automatique. Des fois, on se demande. Donc oui, voilà, ce dont on ne peut parler, il faut le taire, dont on fait tellement de cas. Il faut l'éclairer avec ça. C'est-à-dire que effectivement, ça réduit énormément le champ des discours légitimes chez Wittgenstein, mais surtout ce que Wittgenstein va s'efforcer de démontrer, c'est que dans la mesure où ce qui n'est pas une image logique des faits n'est pas de la pensée, il s'ensuit que ce dont on ne peut pas parler, on ne peut pas parler. Il y a une clôture complète de la pensée logique, de ce qui pour Wittgenstein est la pensée vraie, la seule pensée. Et comme tout ce qui se trouve en dehors de notre champ d'expérience du monde, c'est de l'absolument impensable, ce dont on ne peut pas parler, on ne peut pas parler. C'est pas une injonction quasiment éthique, hein, c'est le tour qu'il lui donne, une injonction en tout cas méthodologique qu'il lui donne à la fin. La conclusion à laquelle il devrait arriver, c'est que ce dont on ne peut pas parler, on ne peut pas parler. Donc la conclusion à laquelle il devrait arriver, c'est ce qu'il reproche à la logique formelle, c'est-à-dire de ne produire que des tautologies. Le tour qu'il prend, c'est ce dont on ne peut pas parler, il faut le taire, comme si c'était une question méthodologique sur les possibilités du discours humain. Mais encore une fois, cette possibilité des discours humains n'est possible qu'avec la vision démente que Wittgenstein nous donne du monde et de la pensée. Je note au passage qu'après 1h40 de tirage, le Montosa Toro reste un excellent dominicain et je vous le conseille, vraiment. Non, mais c'est important. C'est important de revenir des fois à des états de choses qui peuvent être vérifiés expérimentalement. Voilà, très bon tirage tout du long, toujours un bon goût après 1h40. Bravo, très très bon cigare. Donc, ouais, on arrive dans le 3, là, l'arrivée de la pensée. Là, il n'aura pas été complètement inutile. Voilà. Voilà, j'avais ça sur le cœur hein, depuis, depuis un moment. Allons-y. Alors, après l'image logique des faits et la pensée, on a 3.001. Ouais. Un état de choses est pensable signifie nous pouvons nous en faire un tableau. Okay. Un état de choses est pensable signifie nous pouvons nous en faire un tableau. Sinon, ça signifie qu'il ne peut pas être pensé si on ne peut pas s'en faire un tableau. Donc, ça ne veut pas dire que, ça limite, alors qu'il a dit qu'on pouvait se faire un tableau de tous les faits, c'est seulement des faits pensables, des états de choses pensables, c'est-à-dire des liaisons d'objets, en quelque sorte, si vous voulez. Des liaisons de choses, des liaisons d'entités. Alors, qui sont comportés, qui sont déterminés les uns par rapport aux autres.
C'est une manière comme une autre d'asseoir la détermination intrinsèque du tableau lui-même, évidemment. Donc de boucler finalement sur les affirmations et de se débarrasser des tableaux impensables, bien qu'ils existent. En 3.01, la totalité des pensées vraies est une image du monde. Donc là, on a un retournement de la proposition 3. On est encore dans ces tentatives perpétuelles de Wittgenstein de créer des superpositions. Puisqu'on avait l'image logique des faits et la pensée, et là, la totalité des pensées vraies est une image du monde. Donc, on superpose, on rabat l'une sur l'autre. Le tableau et la pensée. Et on revient au point qu'on avait dit précédemment, c'est-à-dire si la pensée et le tableau sont à ce point superposables, on a besoin des deux mots ? En tout cas, ce qu'il tente de nous dire, c'est qu'idéalement et idéalement peut exister un tableau du monde, à une condition, évidemment, qu'il rende compte de la totalité des états de choses pensables. Et la totalité, donc, logique, évidemment, des faits qui constituent la pensée, doit pouvoir être rendue par un tableau de cette totalité, c'est-à-dire du monde. C'est-à-dire, on peut dire, oui, une carte à l'échelle du territoire, quoi. Oui, c'est ça. Oui, oui. Une carte qui, contrairement à ce titre fameux, est le territoire. Là, oui. c'est de qui, déjà, une carte n'est pas le territoire ? Complètement oublié. Pareil, oublié. Bref. 3.02, la pensée contient la possibilité des situations qu'elle pense. Ce qui est pensable est aussi possible. Là, il triche puisqu'il a fait passer le possible avant. Donc, évidemment, ce qui est pensable est possible puisqu'il a déterminé qu'on ne pouvait penser que ce qui, d'une certaine manière, était examiné. Donc, qui a prouvé sa possibilité déjà. Par contre, il dit qu'elle contient la pensée, la possibilité de l'état de choses qu'elle pense. Là encore, ça veut dire qu'il n'y a pas d'excès. Il n'y a pas d'excès de la pensée par la pensée, puisque si elle contient la possibilité des états de choses qu'elle pense, ça veut dire qu'ils sont, d'une certaine manière, déjà déterminés à exister à l'intérieur d'elle, comme possibilité. Alors, déjà, merci Pierre Boulez pour... donc, c'est Korbitsky. Merci, merci beaucoup. Korzybski. Oula, ouf, c'est pas facile. Donc, la carte n'est pas le territoire. Et j'ai raté une grande partie de votre lecture, mais l'espace logique dont il est question au début du Tractatus est-il un tableau ? Non. Mais par contre, un tableau doit pouvoir en rendre compte. C'est-à-dire que le tableau lui-même, comment il a une structuration logique, il est un espace logique qui doit, qui a des liens établis avec l'organisation logique des états de choses eux-mêmes. Dire qu'il est, que l'espace logique est lui-même un tableau. Un tableau peut rendre compte. Il est lui-même, à sa manière, un espace logique. C'est un espace logique qui rend compte d'un autre espace logique. Je comprendrais ça plutôt comme ça. Oui. Alors, je pense que aussi, ce qui est, quand il dit ce qui est pensable est aussi possible, faut renvoyer ça aux états de choses inexistants, aux états de choses, possibles, aux états de choses qui ne sont pas actualisés. C'est ça. On a de nouveau superposition. On a des états de choses existants, des états de choses inexistants, mais les deux
semblent avoir pour Wittgenstein, en dehors de leur existence et de leur inexistence, une pesanteur similaire, une valeur similaire. Et donc, puisque la pensée, c'est le tableau logique des faits, bah oui, la pensée doit aussi rendre compte de ce qui est de tous ces faits inexistants, de ce qui est simplement possible. Qui est pensable donc est aussi possible. Parce qu'on se rappelle qu'en 2.06, il disait que la réalité était constituée à la fois des faits positifs et des faits négatifs, c'est-à-dire l'existence d'état de choses et l'inexistence d'état de choses. On pourrait se demander si la réalité et le monde sont superposables. Je peux te dire oui, puisqu'il dit la réalité totale est le monde, et il dit ça en 2.063. Donc, encore une fois, le monde n'est pas tout ce qui arrive, le monde c'est tout ce qui arrive et aussi tout ce qui n'arrive pas. En tout cas, on est un peu conduit à cette affirmation par les différentes propositions dont je viens de vous faire part. En 3.03, nous ne pouvons rien penser d'illogique, parce que nous devrions alors penser illogiquement. Je ne peux pas m'empêcher de ramener ça à l'expérience désastreuse pour lui et pour ses élèves de Wittgenstein quand il est passé par l'enseignement et où voilà, pour lui il avait affaire à des entités à peine humaines à peine ben oui forcément puisque si c'est ces créatures illogiques que le reste de l'humanité a décidé de nommer enfants, forcément, ne pensent pas. Ils ne pensent pas, c'est ça. Ils ne pensent pas. Et pour dire les choses aussi autrement et ramener ça à Wittgenstein lui-même, il trouvait logique de leur filer des beignes. Excusez-moi, mais il a pensé logique, puisqu'il ne peut pas penser en dehors de la logique, ce garçon, de filer une torgnole aux élèves qui ne le comprenaient pas. J'aimerais comprendre hein, la chaîne logique qui va de incompréhension, baigne dans la gueule. Oui. Je ne vois pas de pont logique. Pourtant, on doit accepter l'idée qu'on ne peut pas penser, donc, en tout cas, certainement pas Wittgenstein, illogiquement. Donc, on doit considérer qu'il y a un fond logique à l'organisation. Tu ne comprends pas, tarte dans la gueule. Alors, c'était même genré, hein. C'était des coups de poing dans les oreilles des garçons et ils tiraient les cheveux des filles. Ils tiraient les cheveux des filles, ce qui est logique, je suppose aussi. C'est logique. Il doit y avoir une logique à tout ça. Mais comme je ne suis pas logicien, forcément, je ne comprends pas. Ah, bah oui, c'est ça. C'est ma limite, vous l'avez compris, je suis nul en philosophie analytique, je ne comprends pas tout bien. Ah, ça renvoie du sang dans la tête, dit Lucie, mais oui. Merci. Et merci, pour la partition garçon-fille, tarte dans la gueule, tirage de cheveux, t'as une explication? Ça fonctionne pas pareil, peut-être, les cerveaux des filles et des garçons. Oui, c'est parce que c'est de la médecine hippocratique. Ah, Suze postule comme que là. C'est parce que les garçons n'ont pas de cheveux, donc ils ne pouvaient pas leur tirer les cheveux. Ah, mais oui. Sinon, il aurait fait ça parce que c'est la meilleure méthode. Ah, oui, le Pierre Boulez est d'accord. Je pensais que c'était hippocratique. Les filles n'ont pas d'oreilles. Comme pour Hippocrate, la femme est plus froide comme la femme est plus froide que l'homme. Je pense qu'on peut trouver un truc qui explique pourquoi est-ce que bref. Et les filles n'ont pas d'oreilles. Ben oui, les garçons n'ont pas de cheveux et les filles n'ont pas d'oreilles. En fait, c'était bah, beaucoup plus simple que ça. Merci. Heureusement que vous êtes là. Merci. Ouais. Donc, nous ne pouvons rien penser d'illogique parce que nous devrions alors penser illogiquement. Ensuite, commentaire de la précédente, 3.031. On a dit que Dieu pouvait tout créer, sauf seulement ce qui contredirait aux lois de la logique. Alors le « on », c'est Leibniz. Hein. C'est Leibniz pour qui... On a quasiment le cas où
la logique préexiste à Dieu. C'est le au commencement était Dieu et la logique formelle. Et la logique formelle était en Dieu et la logique formelle était Dieu. Et Dieu dit si A alors B. Quelque chose comme ça. Donc le on a dit c'est Leibniz et c'est il y a d'autres pensées de Dieu qui existent. Enfin, on a par exemple chez Descartes, au contraire, Dieu pourrait aussi faire en sorte qu'il y eut des cercles carrés ou que les vallées fussent plus hautes que les montagnes. Mais c'est encore un des exemples de l'incuriosité de Wittgenstein vis-à-vis de la philosophie qui sort de... en gros, hein, la philosophie, c'est... bon, manifestement, un petit bout de Leibniz. C'est Frege et Russell. Et puis après, c'est Marx. Mais antérieurement à la question de la logique, par contre, les théologiens bien avant Leibniz se sont beaucoup évertués. Je pense à Thomas à superposer non pas la logique mais d'une certaine façon, enfin elle était implicite dans leur image de la raison, l'image de Dieu, la raison de Dieu ne pouvant pas produire autre chose qu'un monde raisonnable étant lui-même la raison. Au fond, il y a là-dedans une espèce d'antériorité. Et sinon, il y a l'hypothèse de Philip Roth dans Opération Shylock, Dieu est fou. Voilà. Et c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Oui. Alors, c'est pas une bonne nouvelle, mais hélas, il faut supposer l'existence de Dieu et juger du Créateur sur sa création. Je pense que c'est la seule solution raisonnable. Et pourquoi il nous ramène Dieu là? Je sais pas trop. Hein. Oui, on a dit que Dieu pouvait tout créer, sauf seulement ce qui contredirait, aux lois de la logique. En effet. Nous ne pourrions pas dire à quoi ressemblerait un monde illogique. Ludwig, mon lapin, je t'invite en 2024 et je... Bienvenue. Alors, si, Loulou, on peut dire à quoi ressemble un monde illogique, nous y vivons. C'est le mauvais démiurge de Marcion. Ah, nous dira Gdou, oui. Alors, plus sérieusement, nous ne pourrions pas dire à quoi ressemblerait un monde illogique. Bah, si je reprends les exemples que j'ai piqués à Descartes, on pourrait pas dire un monde dans lequel il y aurait des cercles carrés. Enfin, là c'est même bizarre l'emploi du terme dire, parce que si je peux dire cercle carré. Je peux dire des vallées plus hautes que des montagnes. Est-ce que je peux penser à un cercle carré? Waouh. Non. Est-ce que je peux penser une quatrième dimension de l'espace? Donc pas la quatrième dimension au sens où on l'entend communément comme la quatrième dimension c'est le temps, mais une quatrième dimension de l'espace. Non, j'arrive pas à m'en faire de représentation. Mais dans le cadre de la philosophie de Wittgenstein, où effectivement la seule parole légitime, c'est la parole logique, oui, on ne peut pas dire à quoi ressemblerait un monde illogique. On pourrait à la limite tenter d'en faire la description, mais on ne pourrait pas s'en faire la représentation. Et on pourrait
On pourrait être tenté de dire, mais il y a des tas de, il y a des tas d'œuvres littéraires qui reposent sur le fait que le monde qui est décrit dans ces œuvres ne correspond pas au monde dans lequel nous vivons. Oui, il peut être dit et être impensable. Je pense au nez de Gogol, par exemple. Dans le nez de Gogol, il y a un moment où nous est décrit, quand le nez s'est enfui, on le voit passer dans la rue en costume. Je ne suis pas un illustrateur nul, mais je n'ai jamais pu me représenter ce qu'était le passage du nez en costume. Quelle belle aporie, effectivement. Il a vu passer son nez en costume. Ça rejoint ce que tu dis souvent à propos des images mentales. Oui. C'est-à-dire que si je tente de me faire une représentation... Alors, tu sais quoi, pour moi, ce nez, il a une cape rouge. Oui, ça s'arrête là parce que ça. Est-ce qu'il faut lui rajouter des petits pieds au nez puis, Non, tu n'as pas le droit. C'est que le nez qui passe. C'est que le nez qui passe en costume. Ouais, démerde-toi avec ça, Coco. Ah non, mais en plus, je triche en lui mettant une cape parce que c'est un costume qu'il a. Donc il faut s'imaginer. Elle se met autour de son cou de nez. La cape, elle se noue autour de son cou de nez. Il y a un nœud papier, une cravate et une chemise. Oui. On peut tout dire, mais effectivement, tout n'est pas pensable ou représentable en tout cas. Et là, Wittgenstein dit, nous ne saurions dire. Et pour moi, j'ai dire en italique. Est-ce que dans ta version, il est aussi en italique? C'est-à-dire qu'il appuie aussi sur le verbe dire. Il est aussi en italique, oui. D'accord. Nous ne saurions dire d'un monde illogique ce que serait son aspect. Bah, si, on peut le dire. Ça ne veut pas dire qu'on peut se le représenter. Mm. 3.032. Figurer dans le langage quelque chose de contraire à la logique, on ne peut pas plus que figurer en géométrie, par ses coordonnées, une figure qui contredirait aux lois de l'espace, ou donner les coordonnées d'un point qui n'existe pas. Premier problème, c'est que Wittgenstein l'a fait intervenir la géométrie. Or, des géométries, il y en a plusieurs. Il y a la géométrie euclidienne qui est celle qu'on connaît le plus, mais il y a aussi des géométries non euclidiennes. Les objets de ces différentes géométries ne sont pas... Il y a certains objets qui sont possibles dans certaines géométries, qui ne sont pas possibles dans les autres. Dans la géométrie sphérique, par exemple, les trois angles d'un triangle la somme des angles internes est supérieure à celle de deux angles droits, alors que c'est strictement impossible dans la géométrie euclidienne. Il y a une sphère en cinq dimensions. C'est un objet. Alors là, on est encore au-delà de la géométrie sphérique parce que voilà encore un objet qui n'existe que de pure façon mathématique, qui est irreprésentable parce qu'il faut s'imaginer deux directions en plus. Aux trois dans lesquels nous évoluons. Et clairement, la sphère en cinq dimensions a des propriétés qui sont radicalement différentes d'une sphère qu'on est capable de se représenter. Donc, on peut figurer en géométrie par ses coordonnées une figure qui contredirait aux lois de l'espace. Il y a des pans entiers de la géométrie qui s'y consacrent. Salut, maman. Salut, Bijou Caillou. Mais la
question de leur représentabilité, enfin, à partir du moment où on installe pour elles des cadres comment, d'effectuation qui leur appartiennent, on peut dire qu'on passe juste d'une géométrie à une autre. Dans ce cas-là, si on s'imagine que les différentes géométries sont très largement indépendantes les unes des autres. C'est ça. Donner des coordonnées d'un point qui n'existe pas, oui, là, c'est un exemple avec lequel je serais davantage d'accord. On ne peut pas donner les coordonnées d'un point qui n'existe pas, pas plus qu'on ne peut diviser par zéro, par exemple, dans les mathématiques classiques. Figurer dans le langage quelque chose de contraire à la logique, ça pourrait être de bons exemples, sauf que figurer dans le langage quelque chose de contraire à la logique, on va reprendre le nez de Gogol. On a bien une figuration dans le langage de ce nez qui passe en costume. Je pense que le problème vient fondamentalement de l'idée que le langage représente. C'est-à-dire que dès l'instant, tu vois, où il fait cette demande, il restreint extraordinairement le fait, qui est quand même très important pour comprendre ce que le langage est, c'est essentiellement ce que le langage fait. Il exclut le fait que le langage fasse quelque chose. Donc il en fait effectivement une machine distributive d'analogie, donc entièrement constituée à la fois de sa discontinuité, puisqu'il refuse, il se fait l'épargne, ce qui est quand même un peu pénible de penser le langage dans les langues, et donc il superpose inlassablement les uns aux autres, et donc déjà ça c'est un petit peu exaspérant, et ça veut dire aussi qu'il assigne à l'activité langage, en tant qu'activité, uniquement une fonction de représentation, c'est-à-dire fondamentalement un dispositif analogique. Mais ça n'est pas du tout ce que le langage fait. C'est-à-dire que quand vous commencez à vous pencher assez sérieusement sur la forme des propositions, et c'est une des impasses régulières de la philosophie analytique en général, hein, c'est que pour pouvoir construire effectivement un formalisme dans lequel le langage est ça, il faut arracher le langage au langage. Il faut lui enlever un grand nombre des effets par lesquels il se manifeste et dans lequel une grande quantité de production à l'intérieur des formes verbales ne correspond pas à des dispositifs d'analogie, et notamment pas à des analogies structurellement liées à la forme du monde. À l'intérieur d'une phrase, vous avez une quantité assez extraordinaire de mots, d'articulations, de formes qui échappent à ce rapport analogique, qui sont des rapports productifs. Et donc, si vous commencez, comme il le demande là, à exiger du langage qu'il soit exclusivement un module articulé de représentation analogique, vous vous retrouvez dans la fameuse impasse de ces dispositifs formels, dans lequel, en gros, on a un monde de substantifs liés par des jeux verbaux d'équivalence dérisoires. Le verbe « être » est ceci ou « n'est pas cela », et vous escamotez, en fait, l'incroyable effervescence des activités langagières par lesquelles le langage produit tout à fait autre chose. Voilà. Alors, sur Goodman, le Pierre Boulez, on a fait déjà 6 émissions qui sont podcastées sur la chaîne Bande Dessinée. Donc, tu peux nous lire, nous entendre parler de Goodman en long, en large et en traviole. Il n'y a pas de problème. Et devenir de plus en plus prodigieusement agacé par Nelson. Et on devient agacé parce que tout est aberrant, parce que la vision, effectivement, la vision du langage est ridicule. Enfin, elle est puérile, quoi. Voilà. Elle est vraiment puérile. Elle n'a pas de consistance. Le retour, ça avait été que Wittgenstein se définit comme nominaliste, mais pense qu'il existe des universaux. Et là, non, c'était pas Wittgenstein, c'était Goodman. Ah, Goodman, oui, Goodman, oui. Voilà. Goodman se définit comme nominaliste, mais affirme qu'il existe des universaux, qui sont les universaux, les qualia. Les fameux qualia, ouais. Ouais. La tristesse. Parce qu'il savait pas qu'on foutre, donc il lui fallait. Là, c'était la grosse panique, quoi. C'était quelque chose, en tout cas, ces lives sur Goodman. Oui, c'était drôle. J'avoue que c'était. On tombait de marche en marche dans l'escalier de l'incohérence. On a roulé jusqu'en bas en se cabossant la tête à chaque marche.
Alors, 3.0, 3, 2, 1. Nous pouvons bien figurer spatialement un état de choses qui heurte les lois de la physique, comme par exemple un vol d'enclume. Oui. Donc, nous pouvons bien figurer spatialement un état de choses qui heurte les lois de la physique, mais non pas un état de choses qui heurte les lois de la géométrie. On ne peut pas s'imaginer un vol de Rubik's Cube quadridimensionnel. ou des cercles carrés qui broutent dans les champs. Bon, d'un autre côté, je suis pas au fait des derniers. Bon, sachant par exemple qu'un gros travail des physiciens qui travaillent sur la physique des particules, sur la physique quantique, consiste à trouver des modélisations satisfaisantes pour des objets qui échappent habituellement au cadre usuel de la représentation géométrique et bon an mal an, ils y parviennent. Enfin, moi, j'étais extrêmement convaincu par le travail Julien Bobroff. Il y a un bouquin de Bobroff donc, où il s'attelle avec des graphistes à essayer de produire des modélisations satisfaisantes d'objets dont jusque-là les modélisations ne l'étaient pas, et notamment tout bêtement l'atome ou des particules plus élémentaires encore, et pour rendre compte de la forme d'onde dans un état qui soit, on pourrait dire, multilocal de façon satisfaisante. Et c'est très bien. Bah, si vous ouvrez alors, je ne sais plus quel est le bouquin de Bobrov dans lequel il produit le plus ça avec ses collaborateurs graphistes, mais bon an, mal an, on a des représentations satisfaisantes de ce que jusque-là, on pensait assez irreprésentable. C'est, bon, évidemment, la représentation traditionnelle et aberrante de l'atome avec son petit noyau et ses petites... Ah oui, l'atome comme mini-système. Comme on a appris à l'école, quoi. Eh bien, Bobrov résout très intelligemment ce problème avec son équipe de graphistes, et je pense que les physiciens qui bossent sur des hypothèses multidimensionnelles pour résoudre quelques-unes des grandes difficultés dans lesquelles nous plonge les découvertes les plus récentes sur le champ de Higgs, donc qui nous amène des fois à des propositions à multiples dimensions, eh bien, j'imagine qu'il y a des moyens satisfaisants de produire des cadres de représentation intelligibles. Elles sont fixes, le Pierre Boulez, pour celles dont je te parle chez Bobor. Elles sont fixes, mais elles portent en elles des potentiels de représentation qui, parce qu'elles sont de représentation, je dirais un truc tout bête, tu vois, une série d'Emanata dans une bande dessinée suivant un personnage représente. Elles valent pour, ce sont des analogons du mouvement. Pourtant, elles ne bougent pas, ces images. Nous les entendons bien comme représentation du mouvement, même pour une image fixe. C'est-à-dire que c'est pas des systèmes sans solution dans le cadre de la représentation. Mais vas-y, excuse-moi, Gabriel, je finis. Sur les objets qui vont au-delà des trois dimensions, l'astuce qui est trouvée, et qui est une astuce légitime, c'est que de la même manière qu'on peut représenter un cube en trois dimensions en faisant une projection sur un espace à deux dimensions, ben on peut se représenter un hypercube, donc des cubes à 4 et plus dimensions, en faisant des projections en trois dimensions. Donc ça permet de se faire le rapport est le même qu'entre le cube la projection du cube en deux dimensions et le cube en trois dimensions. Donc oui, il y a des solutions. On peut même représenter de l'instabilité temporelle. Enfin, dans les bandes dessinées, on n'arrête pas de faire ça. La fonction de ce qu'on appelle les gouttières, c'est typiquement des modalités de représentation de l'instable temporel entre deux états qui laissent s'ouvrir des espaces et des temps à des endroits où on ne trouvera pas une image logique de cette représentation, mais une image tout de même. Alors. Bref. Les moyens sont bons pour reparler de bandes dessinées sur cette chaîne. Oui, faut quand même justifier de ce nom. Faut quand même justifier du nom de la chaîne en pleine session Wittgenstein. C'est compliqué, mais comme vous voyez, à cœur vaillant, rien d'impossible. Voilà. 3.04.
Une pensée correcte a priori serait telle que sa possibilité détermine sa vérité. Alors, on sait déjà là que Wittgenstein nous tend un petit piège, puisque il n'y a pas de vérité a priori. Il n'y a pas de de la même manière qu'un tableau n'est jamais vrai a priori, puisque le tableau logique des faits et la pensée, donc il y a une corrélation entre pensée et tableau, il n'y a pas de pensée correcte a priori. Donc là, il nous donne juste un cas hypothétique et en l'occurrence une hypothèse fausse. Et c'est même ce qu'il va dire dans le 3.05. Nous ne pourrions savoir a priori qu'une pensée est vraie que si sa vérité pouvait être connue dans la pensée même sans objet de comparaison. Et là, ça nous renvoie à ce qu'il nous dit en 2.0211. J'ai tellement ce livre que j'ai acheté relativement récemment, je l'ai tellement compulsé qu'il commence déjà à se défaire en feuillet. Alors. Donc oui, vous avez compris que ça peut pas être une composition ontologiquement vraie. Elle ne l'est que relativement à l'intérieur d'une comparaison, comme on l'avait vu tout à l'heure, avec une adéquation à une réalité extérieure. C'est-à-dire, la comparaison, c'est sur la 2.223, par exemple, pour le tableau, hein, le savoir s'il est vrai ou faux, c'est uniquement dans les termes d'une comparaison avec la réalité qu'on peut le savoir. Donc, de la même manière, donc, le tableau n'est pas a priori vrai ou faux, et là, il s'agit de la pensée, mais comme la totalité des pensées vraies constitue un tableau du monde, donc il y a un point de jonction entre pensée et représentation, en l'occurrence, tableau, dans lequel il nous rejoue, effectivement, le tour de la nécessité d'une comparaison, c'est-à-dire de la puissance, on pourrait dire sous-jacente, d'un équivalent structurel entre deux termes pour qu'existe quelque chose comme la vérité. Et voilà. Et donc la proposition 2.0211, c'est la première proposition où il nous parle de de l'indépendance des valeurs de vérité des propositions entre elles. C'est si le monde n'avait pas de substance, il en résulterait que pour une proposition, avoir un sens dépendrait de la vérité d'une autre proposition. Or, le monde a une substance. Donc, la valeur des propositions ne dépend pas de la valeur de vérité d'autres propositions. Mais juste, chaque proposition doit être. Juste de la capacité, d'une certaine manière, à créer des points de contact avec cette substance. Et pas donc entre elles, mais avec la substance du monde, qui va être le référent continu. Quoi. Alors, 3.1. Dans la proposition, la pensée s'exprime pour la perception sensible. Soit que la proposition soit verbal, dans ce cas-là, c'est la pensée exprimée pour la perception auditive, soit que la proposition soit écrite, dans ce cas-là, c'est exprimé pour la perception visuelle ou tactile, si on parle du braille, ou peut-être olfactive, si certains systèmes... Une proposition olfactive. Ça, ouais. C'est intéressant. La pensée s'exprime olfactivement. Donc, c'est ça, la proposition, il faut que la pensée s'exprime donc de façon perceptible au sens. Il fait intervenir peut-être pour la première fois cette idée, parce que la question s'était beaucoup posée par moi la dernière fois entre la différence qui pouvait exister entre l'organisation perceptive du monde et son organisation matérielle. Parce que souvent, il y avait ambiguïté là-dessus, il ne faisait pas rentrer la perception, et c'était très bizarre, parce que là-dessus repose évidemment énormément nos rapports d'interrogation à l'organisation du monde. C'est-à-dire la façon dont on le perçoit. Oui. Et on ne le perçoit pas sous forme de proposition parce que, à ma connaissance, le monde ne nous parle pas beaucoup.
Ou alors, on a un pet au casque. Donc, plus ça m'arrive que les... adamique, en tout cas. C'est ça. Quand les arbres me parlent, en général, je ne mets pas en doute comment la stabilité du mutisme transhistorique des arbres, mais plutôt celui de mon état de santé. En général. Pourtant qu'ils ont, qu'ils ont donc une belle voix. Oh, à toi aussi, il te parle. D'accord. Bon, tu me sens moins seul. Le monde n'est pas très là-bas. Ça, c'est parce que tu fais pas d'efforts. Ouais. Écoute les cailloux, Minamia. Écoute, écoute le chant des cailloux. Écoute-le s'exprimer et te dire des trucs. Alors, j'attends, je finis de me verser de l'eau chaude et je reviens à la lecture. Voilà. Hop. 3.11. Nous usons du signe sensible, sonore ou écrit, de la proposition comme projection de la situation possible. La méthode de projection est la pensée du sens de la proposition. Nous usons du signe sensible de la proposition comme projection de la situation possible. La méthode de projection est la pensée du sens de la proposition. Ah, vous avez déjà parlé de projection avant. C'est vrai ? Ah, je me souviens pas de ça. C'est pas quand il parle de... Ou bien je confonds avec le fait qu'il nous... C'est le moment qui m'avait fait bugger où il parle de règles graduées. Ah oui, c'était pas inintéressant ça. Mais là, on pourrait parler, on va dire, modalité de relation. La projection, c'est les modalités de relation. Je pense, hein. Donc, tu vois, qui établissent un certain type de relation entre la pensée, mais pourquoi pas les propositions. Et là, c'est la modalité de relation entre la pensée du sens de la et le sens de la proposition. On a quand même un petit problème, hein, mais qui vient du fait qu'il ne s'intéresse pas à la linguistique, donc évidemment, il ne s'en rend pas compte. Quand il parle du signe sensible phonétique graphique, il oublie un détail. Hein. Le signe graphique n'est absolument pas lié au monde, il est lié au signe phonétique. Ben oui. Il se trouve que s'il ne veut pas savoir ça, le signe graphique, donc l'écriture, si vous préférez, on va faire court, c'est le signe graphique d'un signe acoustique. C'est bien pour ça que les linguistes ne travaillent pas à proprement parler sur l'écrit, mais plutôt sur l'oral, sur le verbal. Parce qu'au fond, la mise à l'écrit n'est jamais rien d'autre que la transcription en signe graphique d'un signe acoustique. À partir de là, le statut du signe graphique est second. Et en vérité, il n'y a que du signe phonétique sonore. Et, il n'y en a pas d'autres, en fait. On ne peut pas s'en sortir en renvoyant, par exemple, aux hiéroglyphes égyptiens ou aux idéogrammes chinois en disant « Ah oui, mais c'était des représentations, des choses. » Ça l'a été au tout début, très rapidement... Très rapidement, les scribes de l'Égypte antique se sont aussi servis des hiéroglyphes comme syllabaires. C'est ce qui a pendant très longtemps posé des problèmes à la traduction, parce que un coup corbeau veut dire corbeau, et puis à un autre coup l'idéogramme du corbeau va servir à désigner une syllabe du copte, qui était la langue que parlaient les Égyptiens de l'Antiquité, et de la même manière les idéogrammes chinois, quand bien même ils ont commencé par être des représentations des objets qui sont mentionnés, on arrive très très vite à des limitations, parce que vous avez représenté le soleil, la lune, vous avez représenté le soleil, la lune, la maison, cool, mais très bizarrement il reste des tas d'autres choses à représenter dans votre système écrit une fois que vous avez représenté ça, et il faut trouver des astuces qui font qu'on est plus strictement dans une équivalence entre
entre le monde et le langage écrit, mais bien dans une relation entre le langage écrit et le langage oral. Il y a beaucoup d'idéogrammes, par exemple, où ce qu'on appelle une des clés des idéogrammes, c'est-à-dire où un des éléments des idéogrammes sert en fait à indiquer la prononciation de l'idéogramme. C'est-à-dire qu'un des éléments de l'idéogramme renvoie à un autre idéogramme pour indiquer une prononciation similaire. Donc on est bien, là encore, dans un rapport entre l'oral et l'écrit plutôt qu'un rapport entre l'écrit et le monde. Avec des systèmes dont on pourrait penser qu'ils sont davantage illustratifs. Lucie nous dit, ils doivent en raconter des trucs chiants d'arbres. Ah, j'imagine. Ça va ? Ça pousse. Tu pousses ? Ouais, je pousse. Hein. Et toi ? Ah, oh, ça va, ouais, je pousse. Hein. T'as vu Paul ? Oui, oui, il va comment ? Bah, il pousse. Ah, oui. Ah. Mortel. Bon. Truc d'arbre, quoi. Faut être arbre. Faut être arbre pour comprendre. Pour prendre du plaisir à ces conversations. Si on n'est pas arbre, forcément, il y a des tas de trucs. Il y a énormément de blagues arbres qui sont... Déconcertantes. Bah, on passe complètement à côté. C'est vrai. Pardon. C'est pas du mépris. Oh non. La reconnaissance d'une altérité fondamentale. Exactement. Il n'y a aucun mépris. Voilà. On se rend bien compte de nos limites. Peut-être que les arbres parlent de philosophie. Je sais pas. Je m'abstiens. Voilà. Ils ont la météo. C'est vrai. Ils doivent causer beaucoup de météo. Ouais. Ah, ça coule sur mes feuilles. Ah, toi aussi ? Oui, ça coule beaucoup aujourd'hui. Oui, ça coule pas mal. Ça coulait autant hier ? Non, ça coulait moins. Mais aujourd'hui, ça coule. Ah oui, ça coule beaucoup. Hein. Pardon. Pardon aux arbres. Excusez-nous, les saules, les hêtres. Excusez-nous. Les cèdres, tous. On s'excuse. On est petits. Je me sens petit. Si on se faisait la 3-13, ouais, la 3-12 d'abord. On n'a pas fait. Oh, bah, j'allais sauter la 3-12. C'est dommage. La 3-12, le signe par lequel nous exprimons la pensée, je le nomme signe propositionnel. Et la proposition est le signe propositionnel dans sa relation projective au monde. Alors, la proposition est elle-même un signe de proposition dans sa relation projective avec le monde. Donc, le signe par lequel nous exprimons la pensée, je le nomme signe de proposition. Alors, on parle du principe quand même que le signe est là encore un isolat par lequel on exprime, donc qu'est-ce qu'il a dit de la pensée ? C'est la possibilité de l'état de choses qu'elle pense, qu'elle contient, donc qui contient les possibles. Qu'est-ce qu'il a dit ? Le tableau logique des faits constitue la pensée. Donc, il constitue la pensée, le tableau logique des faits, ce qui veut dire, en gros, que l'organisation logique des signes est organisation logique des faits, et que la pensée exprime. Et signe de proposition, en tenant quand même compte du fait que la proposition elle-même est un signe de proposition dans sa relation projective avec le monde. Donc elle appartient à un régime de signes plus général. Relation projective, on en est encore dans le mode de relation avec le monde constitué. Donc ça veut dire encore un tableau analogique à cet endroit-là, où on va se retrouver, évidemment, avec une chaîne de signes nommés signes de proposition correspondant finalement plus ou moins à l'organisation des états de choses. Voilà. Bon, on ne fait que acquiescer à des trucs auxquels on n'a pas acquiescé jusque-là, mais on acquiesce juste pour dire oui, on voit bien. Voilà. Voilà. On a bien compris. On a bien compris. OK. 3-13. Tu avais tellement hâte d'y arriver. Ouais, pas tant que ça. À la proposition appartient tout ce qui appartient à la projection, mais non pas le projeté.
En gros, oui, c'est pas parce que je dis chien que d'un seul coup un chien va apparaître dans mon salon. Dieu soit loué. Oui. Quel enfer. Et puis alors, dès que tu parles de politique et que tu parles des dangers du fascisme, ça voudrait dire que d'un seul coup, tu fais débarquer des fascistes dans ton quotidien, ce serait parfaitement cauchemardesque. Ouais, c'est le moment où ils sont déjà suffisamment présents. Ne les appelons pas. Donc, à la proposition, oui, appartient les propriétés de la projection, donc des modalités de relation projective avec le monde, hein, mais pas évidemment les objets du monde eux-mêmes, qui sont maintenus dans la distance du signe. Donc, la possibilité du projeté, non le projeté lui-même. Dans la proposition, le sens n'est donc pas encore contenu, mais seulement la possibilité de l'exprimer. Le contenu de la proposition signifie le contenu de la proposition pourvu de sens, c'est-à-dire de la proposition logique. Dans la proposition, son sens n'est pas encore contenu, puisqu'on a bien compris que le sens n'était obtenu que par le corrélat avec ce à quoi ça se réfère, c'est-à-dire l'espace de réalité, c'est ça, ouais. Mais seulement la possibilité de l'exprimer. Donc en gros, l'expression ne contient que l'expression, si vous voulez, de quelque chose, enfin, la possibilité d'être exprimé. La proposition ne contient que sa possibilité d'être. Et pas nécessairement tout de suite le sens qui s'y exprimera. Le contenu de la proposition veut dire le contenu de la proposition qui a un sens, ça veut dire qu'on évacue tout ce qui, dans la proposition, pourrait ne pas en avoir. En gros, il y a tous les mots qui servent qu'à faire joli, tous les signes qui sont là pour agrémenter, hein, le vrai contenu, c'est le truc qui a du sens, les vrais bouts de sens dedans. Voilà. Et l'organisation de tout ça, puisqu'il dit par la suite, hein, la proposition contient la forme du sens, pas son contenu, c'est-à-dire l'organisation, hein, des éléments. En l'occurrence, là, puisqu'il part des signes, l'organisation des signes entre eux, et pas le contenu de vérité. En 3.14, le signe propositionnel consiste en ceci, quand lui, ses éléments, les mots, sont entre eux dans un rapport déterminé. Le signe propositionnel est un fait. Bon, là déjà, on est dans une impasse. Je vous avais 2 secondes pour deviner pourquoi on est dans une impasse. Vous avez appuyé sur le buzzer, vous avez trouvé. Il me semble qu'il y a une petite impasse, parce que tout laisse entendre qu'à un état de choses donné, il n'existe qu'une façon propositionnelle d'en rendre compte. Eh ouais. Et croyez-moi, si c'était vrai, on se comprendrait tous vachement. Et quand bien même ce ne serait pas qu'un problème de compréhension mutuelle, il y a un nombre considérable d'organisations du discours susceptibles de rendre correctement compte d'un état de choses. Même en prenant le sens wittgensteinien de l'état de choses, il n'y a pas qu'une façon assignée de rendre compte d'un état de choses. Voilà. Il y a plein de façons, en gros, il y a plein de façons de dire la même chose. Et qui ne sont pas plus ou moins justes. On part du principe qu'on peut très justement dire de façon très différente, rendre compte d'une façon très différente d'un état de choses. Donc là, il part du principe qu'il y a une organisation déterminée. Je ne sais pas s'il va revenir là-dessus, mais pour l'instant, tout laisse supposer en tout cas que c'est, il y a une surdétermination organisationnelle de la proposition par le mode de rapport qui est fait entre la proposition et ce à quoi elle se rapporte. Il y a Oh, j'avais pas vu la fin parce que tu ne l'as pas encore lu. Oh, la fin du 3.14. le signe propositionnel est un fait. Toujours, Alors. toujours, toujours ces rabattements, toujours, toujours, toujours. Okay. Voilà. Voilà. On va rajouter donc la proposition à la longue litanie de ce qu'est un fait. Bon, ça veut nous dire en gros que le signe propositionnel, hein, donc il a, dont il nous parle, hein, comment il a dit, le signe par lequel nous exprimons la pensée arrive. Voilà.
Il a une existence d'état de choses, puisque c'est un fait. Le fait a une existence d'état de choses. Donc, en gros, cette chose vient se rapporter au monde. Ce qui me paraît un peu contradictoire. Si le tableau est une proposition qu'il peut rendre compte du monde, le problème, c'est qu'il vient d'y rajouter quelque chose. Donc, il n'arrête pas. Chaque proposition agrandit le monde. Vous voyez le problème logique, là. Il y a un petit truc qui est... Il faut surtout qu'on se taise, parce qu'à chaque fois que nous parlons, nous nous enlevons la possibilité de parler du monde, puisque nous venons de le grandir d'une nouvelle proposition et d'augmenter finalement la quantité des états de choses, puisque le signe propositionnel lui-même est un fait. Ce qui est vrai, pour ma part, ça ne me dérange pas du tout, j'en suis pas parfaitement conscient. Évidemment. Mais il y a, vous voyez bien le type de difficulté logique auquel ça, lentement, ça nous amène. Il va peut-être nous la résoudre parce qu'il est malin. Suse dit la fin du 3-14, mais une pie n'a pas de fin. pardon. Heureusement, heureusement, le Tractatus en a une. Oui, heureusement. Et nous aussi, car nous allons mourir. Voilà. D'accord, le signe propositionnel est un fait. Et donc oui, sur le passage précédent, le signe propositionnel consiste en ceci, ces éléments sont entre eux dans un rapport déterminé, etc. Et que ça correspond au monde, ça veut dire que donc on retrouve aussi l'idée que la grammaire fondamentale de la logique formelle correspond parfaitement et sans qu'il n'y ait rien qui déborde aux structures fondamentales du monde. De ce point de vue, il est hyper leibnizien quand même. Hein. C'était l'objet de la caractéristique de Leibniz, de rendre compte de ça, de cette certitude. Oui. Donc, 3.141. La proposition n'est pas un mélange de mots, de même que le thème musical n'est pas un mélange de notes. La proposition est articulée. Mmh. Elle est articulée, mais en n'omettant pas quand même cette idée qu'il n'existe pas qu'une articulation possible pour qu'une proposition coïncide avec un état organisationnel, un plan de vérité du monde. On peut rendre compte par diverses articulations propositionnelles d'un même état de choses. 3.142. Seuls des faits peuvent exprimer un sens. Une classe de noms ne le peut pas. Une classe de noms ne le peut pas. Alors qu'est-ce que tu as chez Klosowski ? J'ai « Seuls les faits peuvent exprimer un sens, une classe de noms ne le saurait ». Ah, je suis emmerdé là. Oui. Parce que je ne sais pas ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il va nous dire après ce qu'il appelle « classe de noms » ? C'est-à-dire des mots pris au hasard. Quand il dit « la proposition n'est pas une mixture de mots, un mélange de mots », c'est peut-être ça qu'il appelle « classe de noms ». Parce que je ne serais pas très étonné que pour lui, mot et nom soient à peu près synonymes, puisqu'il a quand même une vision incroyablement substantive du langage. Hein. Oui. Donc tu vois, c'est peut-être ça. Voilà. Donc une classe de mots, un ensemble de mots non organisés, ne rendant pas compte comme les faits, tu vois, une organisation sous-jacente logique et déterminée. Donc, puisqu'il manifeste l'existence d'un état de choses, la proposition manifeste l'organisation d'un état de signe, on pourrait dire ça comme ça, et ces éléments disparaissent, enfin juste balancés au hasard, ne peuvent pas rendre compte d'un sens au même titre que on a accès au sens que quand on a accès à la substance. Et pas aux états de choses eux-mêmes, si je comprends bien. Mais, si c'est juste une... qu'est-ce qu'il entend par classe de nom ? Parce que s'il entend ensemble, si... mettons, est-ce que
les couleurs, donc les noms qu'on leur, les différents noms qu'on leur attribue, est-ce que ça correspond à ce qu'il appelle une classe de nom? Donc là, effectivement, si c'est les couleurs, le cyan, le céruléen, le pourpre, etc., elles sont pas. Cet ensemble de noms n'a pas de sens en dehors d'une proposition, alors on va être Wittgensteinien, d'une proposition qui les fait correspondre ou non à un état de choses déterminé. C'est pas juste les couleurs qui ont, c'est pas juste les couleurs qui ont un sens. Bah, d'autant moins que chez lui, ouais. Elles sont pas. Ah oui, en plus, oui. Oui, elles ont un statut particulier. Oui, plus, les couleurs, comme l'espace et le temps, ne sont que des formes de la chose. C'est elle qui est. Enfin, la chose elle-même est le stable. Elle est l'existant. C'est ce qu'il dit. Hein, en comment c'est en 2-0 comment 51 je crois qu'il exprime ça. Donc le stable et l'existant reposent sur la chose elle-même, en n'oubliant pas qu'elle n'existe pas hors des états de choses. Mais que les couleurs, c'est juste forme de la chose. Donc elles ont d'autant moins possibilité oui. d'être détentrices de sens. Oui, de ce point de vue-là, effectivement, parler de la classe des noms de couleurs n'était pas... Ouais, il aurait fallu parler d'une autre classe de noms, mais là, moi, ce qui m'embête, c'est, en fait, c'est le mot nom, quoi. Parce qu'il parlait des mots, là, il est sur les noms, et clairement, je te dis, je sais pas s'il n'est pas en train de superposer mots et noms. C'est ça qui me perturbe. Mais comme il s'en fout tellement, tu vois, de... du langage, en fait. et des langues... moi, ça me rend perplexe, évidemment, forcément. Il n'y a pas beaucoup d'exigences à cet endroit-là pour donner un sens précis au mot « non ». On va voir après. Peut-être que si. Peut-être que c'est moi qui exagère et qui suis impatient. Peut-être que c'est encore un teaser notionnel, comme le disait Solarius tout à l'heure. 3.143. Que le signe propositionnel soit un fait, la forme d'expression usuelle de l'écriture ou de l'imprimerie le masque. Car dans la proposition imprimée, par exemple, le signe propositionnel n'apparaît pas comme essentiellement distinct du mot, ce qui a rendu possible que Frege ait appelé la proposition un nom composé. Ouais, mais justement, c'est dans la proposition imprimée, on peut se livrer à des confusions. Je comprends bien ce qu'il essaie de nous dire. Qu'il faut prendre une certaine distance. Mais bon, il est chiant parce que c'est lui qui établit les jeux de relations entre monde des choses et les représentations dans les propositions. Donc il nous invite à nous défier, à prendre des distances avec, avec le fait que le signe propositionnel, c'est-à-dire en gros, hein, la forme, on va dire la forme de l'énoncé, la forme du discours, la verbalisation est un nouveau fait. Qu'on prend pas en compte parce qu'on ne se tient compte que de l'idée qu'elle soit le contenu d'autre chose. Et je vous invite, je crois, c'est plutôt pas mal, à une certaine prudence en nous rappelant que ce à quoi on a affaire à cet endroit-là, quand on a affaire à une proposition imprimée, par exemple, comme il dit, c'est qu'il y a une nuance à établir entre le mot lui-même et la façon dont on le représente. Et la façon dont on le présente est un nouveau fait, en fait, dans sa relation au mot. Ce détail près, c'est que là, il triche en parlant de proposition imprimée, là où tout à l'heure, il avait bien dit que le signe propositionnel pouvait être perçu sensiblement de façon acoustique. Or, s'il avait choisi une proposition acoustique, on était dans la merde parce qu'il n'y a pas de différence entre le mot et le signe propositionnel, c'est une seule et même chose. Le mot n'a pas de caractère d'existence en dehors du fait qu'il apparaisse en tant que mot perçu. Tu vois le truc ? Là, lui-même tente de s'en tirer en proposant une forme du signe propositionnel qui a déjà subi, et précisément pour les raisons que j'avais évoquées tout à l'heure, c'est qu'une fois imprimé, il est le signe graphique d'un signe acoustique. Mais en tant que signe acoustique, je me demande quelle forme d'existence pourrait persister du mot en dehors de son émission, en tant que mot, de façon acoustique et sensible. Je ne comprends pas très bien ce que ça serait. Donc, quand Frege appelle la proposition non composée,
Là, on revoit le mot non. Donc, je suis un peu embarrassé. Est-ce qu'il nous parle d'autre chose ? Est-ce que... Sur la confusion entre nom et mot, je pense que la proposition qui vient juste après va nous montrer qu'il y a bien une confusion entre les deux. D'accord, ok. Donc oui. En tout cas, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est une petite pique à Frégueux qui se tromperait. Salut Spino Pizza, salut les raiders, bienvenue les gens. Je vais vous accueillir à un moment un peu compliqué. On va vous raconter où on en est. On est en train de lire le Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein. Et on en est rendu quand même à la proposition, enfin dans les dérivés de la proposition 3. De quoi vous parliez de beau? Ah, bah il y a Lanchi qui nous rejoint aussi avec un groupe de 32 ozos. Bon, écoutez, vous raidez en même temps, c'est le chaos, c'est le bordel. On était paumés dans Wittgenstein, vous chiez dans la colle. On est paumés dans les jambes, bonsoir à tous. Oh là là. Bon, bah écoutez, bienvenue à tous et à toutes. C'est très très gentil de débouler ici. Je vais vous recevoir comme il se doit. Ah, vous avez conspiré. Vous avez vraiment envie de vous faire mal à la tête en plus, parce que je ne vous cache pas que ce soir avec Wittgenstein, vous allez en chier, vous allez chier des briques, je vous le dis tout de suite. Mais bon, je vais quand même, alors bon, ceux et celles qui ont déjà vu cette présentation commencent déjà en avoir râlé couette, mais je ne l'ai pas faite pour rien, donc je vais quand même vous la foutre. Où est-ce que j'ai mis ça? Où est-ce que j'ai rangé cette merde? Pourquoi je fous toujours le bordel ici? Voilà, je vais vous dire ce que fait cette chaîne, voilà, et ensuite on recose tous et toutes ensemble. Bonjour le Raid, et bienvenue sur cette chaîne dont le programme reflète assez clairement le chaos qui règne dans la tête de son streamer. On y parle évidemment de bande dessinée, mais aussi de théorie de l'art, de critique d'art, d'histoire de l'art, de politique, de folie, de science, de sociologie, de philosophie. On y dessine, on y sérigraphie, on y peint, on y lit des poèmes et des récits. On reçoit des historiennes de génie, des auteurs incroyables, des éditeurs inouïs, des biologistes époustouflantes, de dangereuses agitées du bocal, et tout ça avec de la politique dans la science, de l'art dans la politique, de l'histoire dans l'édition, de la poésie dans la danse. Installez-vous confortablement, suivez la chaîne et on y va. Voilà, et ce soir c'est Philo, de quoi vous parliez en live. Bah, bonsoir Spino Pizza, merci d'être passé, c'est cool, c'est très très gentil. Je vais rapidement tenter de vous dire ce qu'on fout. Le Tractatus Logico-Philosophicus, c'est donc la première grosse œuvre de Wittgenstein dans laquelle il tente vaguement de révéler par quoi le langage serait impropre à rendre compte du monde, d'une certaine façon. En tout cas, il questionne les moyens qui sont à notre disposition du dicible et de l'indicible, et donc pour lui du pensable et de l'impensable, du représentable et de l'irreprésentable. Donc il le fait en jetant les fondements d'une espèce de philosophie logique qui n'appartient, je dirais, qu'à lui quand même. C'est assez compliqué parce que le plan de rationalité dans lequel il s'inscrit est plutôt bordélique, beaucoup plus chaotique que sa réputation de le laisser entendre. Et je pense que l'essentiel du travail pour Gabriel et moi ce soir revient à essayer de comprendre ce qui fonctionne et ce qui déconne dans son dispositif. Et on est au moment où Wittgenstein aborde la question de la proposition. Et à l'intérieur de la proposition, la façon dont celle-ci tente de rendre compte de ce qu'il appelle les états de choses, c'est-à-dire l'organisation du monde, en tout cas ce qui du monde peut être perçu et décrit, et il tente de nous montrer, bon an mal an, que tout ça ne peut fonctionner qu'à un seul prix, c'est qu'il y ait une configuration logique identique à l'intérieur de l'organisation des énoncés et des formulations, ce qu'il appelle des propositions, du tableau, puisqu'il fait du tableau. Alors lui, il prend un sens pictural du tableau, ce qui rend ses démonstrations encore plus tordues. Donc des configurations logiques qui seraient inhérentes à la fois aux propositions et aux tableaux, considérées par lui comme des formes de propositions, et le monde lui-même, en tout cas l'organisation des états de choses. Donc bon courage pour prendre ça en plein milieu, parce que c'est compliqué, ça va forcément être encore plus compliqué pour vous que pour ceux qui suivent le live depuis le début, puis ça fait quand même ça fait 2h51 qu'on est dans la question 3,
Merci, joyeux sociologue. Et puis merci l'antique qui avait salué très gentiment ma présentation. Je suis content qu'elle te plaise. Voilà, voilà. Écoutez, installez-vous. Vous allez voir ou pas de quoi nous parlons. On était à la proposition, parce que toute la construction de Wittgenstein se voudrait d'une impeccable organisation logique. En vérité, j'essaie de remettre de l'ordre en début de live, donc vous verrez ça en podcast. Dans la série des notions qu'il nous présente, et il y en a beaucoup, il y a monde, état de choses, proposition, le fait, la réalité, le tableau, et chacune de ces notions, j'ai tenté de les refoutre un peu dans l'ordre, donc je pense que ça sera un peu utile pour vous de revoir le début du live pour essayer de piger un petit peu ce maelstrom notionnel qui n'est pas toujours très carré, en tout cas qui contient au moins des plis parfois aporétiques, enfin, dans lesquels la logique se perd elle-même. Et nous, on essaye à cet endroit-là de piger. Je crois qu'on est à la proposition 3.1431, c'est ça ? 3.1431. Eh bien, écoutez, on va la relire. Hein, et puis, Si tu veux qu'on relise la proposition à laquelle on était, c'était la proposition juste avant. Ah ben voilà, on va lire la proposition juste avant. 3.43 Ouais, okay. C'est ça. Allons-y. Bon courage, les gens. Que le signe propositionnel soit un fait, la forme d'expression usuelle de l'écriture ou de l'imprimerie le masque. Car dans la proposition imprimée, par exemple, le signe propositionnel n'apparaît pas comme essentiellement distinct du mot. Ce qui a rendu possible que Frege ait appelé la proposition un nom composé. Alors effectivement, débarquer là-dessus dans un live de, ouais, de lecture de philo, c'est rêche. Vous avez bien du courage. Alors, quand il parle de signe propositionnel, il n'est pas en train de parler du signe au sens, au sens où nous le recevons une fois transcrit. Quand il parle de signe propositionnel, il parle d'un signe par lequel nous exprimerions la pensée. Et c'est ça qu'il appelle signe de proposition. Et ensuite, il y a des moyens d'atteindre à ce signe propositionnel par les formes d'expression qui y sont liées. Et il dit acoustique ou écrite. En omettant le fait, par exemple, et ça c'est puisqu'il les fout carrément sur un plan d'égalité, en mettant le fait que le signe propositionnel, une fois inscrit, n'est pas un équivalent à celui du signe acoustique, il n'est pas un point de relation avec le monde qui tendrait à en rendre compte, mais pas du tout. Le signe propositionnel écrit rend compte du signe acoustique. Donc il est déjà pris dans une chaîne de signes qui ne lui donne pas du tout le même statut, ce qui lui permet effectivement dans la proposition que vient de lire Gabriel, d'entendre que dans la proposition imprimée, le signe propositionnel n'apparaît pas différent du mot. Évidemment, mais parce que déjà, il a, d'une certaine façon, il ne rend pas compte de la même réalité. Il rend compte d'une réalité verbale. C'est ce qu'est le signe écrit. Le signe écrit rend compte d'un signe acoustique par une autre série de conventions, avec mille sortes de conventions. Alors, il faut que vous ayez bien en tête, ce truc est quand même assez important, c'est que Wittgenstein propose ce qu'il croit être une philosophie de langage en ne s'intéressant pas une demi-seconde à une discipline qui existe quand même, qui commence à exister assez fort depuis le 19e siècle, qui s'appelle la linguistique. Donc il s'en fout, ça n'intéresse pas du tout. Donc il emploie toutes sortes de termes relatifs à la question du langage en faisant complètement l'épargne de la question linguistique. Et ça donne, pour nous deux, des difficultés considérables, parce que évidemment, il y a des tas d'endroits par lesquels ces propositions sont fissurées par des réalités linguistiques d'un autre ordre. Et pour que vous compreniez mieux aussi comment les difficultés auxquelles on est confronté, c'est que ça lui donne, puisqu'il est à la recherche d'un formalisme satisfaisant pour rendre compte du monde, ça lui donne un goût pour une réduction assez incroyable, mais que vous retrouverez dans beaucoup de philosophies logiques, du langage finalement à une vision nominale, substantive du langage, dans lequel tout ce qui fait le fait de langage a tendance à se dissoudre au profit seulement de ces entités nominales, ce qui compose quand même un très faible aperçu de ce que le langage peut produire et faire. Voilà. Donc, dans cette proposition 3.143, il essaye d'établir une distance quand même entre ce qu'il appelle le signe propositionnel et le mot lui-même, laissant supposer que le mot ne rend pas dans sa structure compte en fait de l'organisation du signe propositionnel, c'est-à-dire ne rend pas compte
par la façon dont nous exprimons la pensée, à proprement parler, sans nous rendre compte du fait que le mot lui-même soit un nouveau fait qui, d'une certaine manière, interfère entre le signe propositionnel et le monde. Voilà, voilà, voilà. Alors, la proposition suivante, donc, qui va montrer clairement que pour Wittgenstein, il y a une confusion coupable entre les termes de mots, entre le terme de mots et le terme de choses, que manifestement il emploie. On se demandait s'il les employait de manière interchangeable. Ah oui, entre mots et noms, ouais. Ouais. Ouais, entre nom et mots. Nom et mots. Bref, reprenons. Et donc ça va nous montrer qu'il y a bien d'accord, cette confusion. D'accord. Donc 3.14.31. L'essence du signe propositionnel devient très claire lorsque nous le figurons comme composé d'objets spatiaux, tels des tables, des chaises, des livres, au lieu de signes d'écriture. La position spatiale respective de ces choses exprime alors le sens de la proposition. Donc, voilà ce dont Wittgenstein était en train de nous parler. Et voilà le langage de Wittgenstein. C'est un langage qui désigne des choses. Ouais, c'est ça. Des tables, des chaises, des... On en revient... On avait parlé des lives qu'on avait fait sur Nelson Goodman, mais on en revient à cette critique qu'on avait formulée que la philosophie analytique, c'est une machine qui, quand on la fait tourner, produit un monde de tarte aux pommes qui refroidissent sur le rebord de la fenêtre, un monde de poules tachetées dont on essaie de compter les tâches. Enfin, et encore, refroidir, c'est un terme qui amène à un certain degré de complexité. Les modes de relation sont beaucoup plus simples en général que ça. C'est des relations d'inclusion, par exemple, des relations d'appartenance ou des relations d'égalité ou de différence. C'est très pauvre, en vérité. Et effectivement, c'est une organisation, comme le dit Gabriel, de choses. Ce qui fait que la question qu'on se posait juste avant, est-ce que nom et mots sont interchangeables chez Wittgenstein ? Effectivement, à la lecture de ça, on se dit, ah, effectivement, il ne connaît des mots que les noms. Donc, quand il s'en prend à Frege en disant que Frege fait peut-être une erreur en appelant une proposition non composée, il parle là d'organisation. Il dit la disposition spatiale de ces choses, les unes par rapport aux autres, exprime le sens de la proposition. Ce qui est aussi incroyable, parce que ça laisse supposer que... Essayez d'imaginer, on a une disposition spatiale des choses, chaises, tables, tabourets, etc., qui est un fait géométrique, hein, si vous voulez, et il suppose... que à l'intérieur de la proposition, il y a une organisation logique du même ordre. Ça n'a aucun sens. Hein. Excusez-moi, mais là, c'est juste complètement aberrant. C'est-à-dire que les modalités de relation entre ces objets sont des relations, vous pouvez l'imaginer, conventionnelles. C'est-à-dire que si vous avez une pièce, un appartement quelconque avec des chaises, tables, etc., entre ces différents objets, il n'existe pas que des relations géométriques. Il y a des milliers de relations autres qui peuvent s'y déplacer. Ils ne sont pas que des points dans l'espace correspondant à des objets liés à leur utilité. Ils sont effectivement un ensemble de choses prises dans l'espace dans lesquelles peuvent se construire un nombre considérable d'organisation, de description, de déplacement, et toute proposition qui viendrait à les caractériser fait l'objet d'un théâtre infini, si vous voulez. Et les propositions elles-mêmes n'ont pas de réalité géométrique qui coïncide comme carte d'un territoire à cette relation géométrique. Donc, si c'est de ça dont il parle, je relis le truc, hein, le signe propositionnel apparaît clairement dès que nous le concevons, composé non de signes d'écriture, mais d'objets spatiaux. Donc, on rappelle que le signe propositionnel, tel qu'il nous dit, c'est le signe par lequel nous exprimons la pensée.
Où vient la pensée, là, je ne sais pas. Voilà, je ne comprends pas. Quand vous pensez effectivement à ce dont je suis en train de parler, vous êtes peut-être en train de penser soit à votre salle à manger, soit à ce que vous allez y faire. Vous n'êtes pas en train d'en dessiner une carte. Hein. Enfin, c'est juste aberrant. Et dire que c'est constitué d'objets spatiaux, c'est faux. Enfin, dans une salle à manger, la totalité des zones sensibles fait salle à manger. C'est pas juste votre table et votre canapé séparés dans un espace flottant, en fait. C'est le tapis dessous, c'est l'odeur de la cuisine qui passe à côté, c'est votre stupide chat qui vient se lever sur le canapé, c'est tout un monde de déplacements, d'actions. Qui les lie entre eux et dans une perception totale. Ce n'est pas une perception séparée. Donc, je ne comprends pas de quoi il parle, là. Et puis, en plus, à vouloir superposer la structure de la proposition à la structure spatiale, il se retrouve face au vieux problème de la description. Enfin, on ne peut pas représenter un tableau à partir de sa description. Ah oui, hein, clairement, oui. Ça, on est bien d'accord. C'est un exercice auquel on s'est beaucoup livré avec des camarades dessinateurs et dessinatrices. Ça consiste à se faire une ekphrasis et à la faire circuler. Donc l'ekphrasis, traditionnellement, c'est une forme très spécifique d'hypotypose, enfin de description. L'hypotypose, c'est la forme rhétorique par laquelle on essaie de faire apparaître quelque chose par la description. L'ekphrasis, c'est celle qui a fini par considérer juste les tableaux, décrire un tableau. Donc on décrit une image qu'on regarde, on fait passer ça en essayant d'être le plus précis, la plus précise possible, on le fait passer entre nous, chacun dessine ce qu'il lit, et évidemment on aboutit à un nombre d'images très différents les unes des autres. Parce que la façon de rendre compte d'une image par le discours, la façon de rendre compte d'un espace ou d'une chose par le discours ne coïncide pas géométriquement avec la matérialité de cette chose. Voilà, voilà. Alors Thierry Lititi nous dit spatial pour un mathématicien ou mathématicienne dépasse de très loin le cadre de la géométrie. Oui, mais on parle là d'une disposition spatiale des choses les unes par rapport aux autres. Voilà, telle qu'elle s'exprime, c'est ce qu'il dit dans la proposition. Oui. Donc clairement, quand je parle de géométrie, je ne parle que de ça. Je n'en parle pas en mathématicien, hein. Je parle juste d'organisation, comment mesurable, quantifiable, d'objets à l'intérieur d'un espace. Voilà. D'où le terme des géométries qu'il ne faut pas prendre ici dans son sens strictement, mathématique. D'accord. Donc là, on a vraiment un problème. Cette proposition me paraît assez aberrante. Donc, spatial, en gros, ça veut juste dire qu'on met les objets en relation, mais c'est pas forcément des relations géométriques. Oui, ben, c'est ce que disait Laurent. Oui, on n'est pas en train de parler en mathématicien, puisque je pense que ni Laurent ni moi n'avons quelques connaissances que ce soit qui nous rendent légitimes à parler en mathématicien. Donc 3.1432. Non pas le signe complexe ARB dit que A est dans la relation R avec B, mais bien que A soit dans une relation déterminée avec B dit que ARB. Donc R, c'est le signe conventionnel pour dire entretient une relation avec. Donc on ne doit pas dire que ce signe complexe là, ARB, dit que A se trouve dans une relation à B, mais que A se trouve dans une certaine relation à B, dit que ARB. Qu'est-ce que c'est que ce patouette? Alors, nous ne devons pas dire le signe complexe ARB, donc ça dit, on ne doit pas dire que ça dit que A se trouve dans une relation, la relation R, AB, mais que A se trouve dans une certaine relation AB, dit que ARB. Qu'est-ce que tu racontes, Ludwig? Qu'est-ce que tu racontes? Là, c'est vrai, parce que, comment dire, on a un contre-exemple de son obsession avec la superposition et la symétrie. Et on a un contre-exemple qui contredit
ce qu'il nous a pu nous donner précédemment. Parce que là, ce qu'il nous dit, c'est que c'est pas le signe qui dit la chose, c'est parce qu'il y a une chose qu'il peut y avoir un signe. Ah, d'accord, c'est ça. Il a déplacé les guillemets. J'avais pas vu les guillemets. Il y a des guillemets autour de la phrase « le signe complexe ARB ». Donc, hop, dit ceci. Il fout les guillemets autour de toute la proposition. A se trouve dans certaines relations B, dit que ARB. C'est le fait même, il a raison Gabriel, je comprends. C'est le fait même que A a une relation avec B qui peut dire ceci. Donc, il y a une préexistence d'une relation entre A et B qui permet de dire, qui fait dire ceci. Donc ça n'est pas cette proposition-là. C'est pas cette forme-là qui fait exister la relation entre A et B, c'est la relation entre A et B qui fait exister la possibilité d'écrire la proposition A et B. Et le problème, donc, Kirlititi, quand tu dis « là, je comprends, le fait précède sa formalisation », c'est, je pense, une bonne lecture de ce passage-là. C'est ce que je comprends aussi. Le problème étant que les faits sont déjà formalisés, puisque les structures fondamentales de la réalité correspondent aux structures fondamentales de la logique. Donc, en fait, il propose un réalisme de la proposition à cet endroit-là. Ouais. Quoi. Réalisme de la proposition veut dire qu'effectivement, la forme de la proposition est un existant dans la consistance même de l'organisation des états de choses dont la proposition, effectivement, va permettre d'inscrire ce formalisme. Voilà. Donc, c'est même pas, il veut dire par là, en gros, que ce n'est même pas une convention, en fait. C'est une espèce d'analogie ou au minimum une homothétie. C'est un rapport équivalent de relation. Je serais assez pour qu'on s'arrête là, moi. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? Parce que sur celle-là, on est à 3.08.21. À 3h08 là-dessus, je prouve qu'on a quand même été un peu intense et on finit sur une proposition réaliste. Je pense que c'est pas mal parce que de ce petit passage va sans doute dépendre pour nous la compréhension de la suite. Qu'est-ce que tu en penses, Gabriel ? Oui. Oui, je pense qu'il est temps que nous nous consolions avec Da. Oui, on va se consoler un petit peu avec un peu de lecture. Ah, t'es pas du tout d'accord, mais de toute façon, tiens, les Titi, c'est compliqué d'être d'accord avec Wittgenstein sur certains points. C'est déjà compliqué pour nous deux d'être d'accord avec des positions réalistes d'une façon générale. C'est pas quelque chose qui nous parle beaucoup. Et c'est d'autant plus compliqué que le chemin qui nous a conduit jusque-là a été semé d'embûches, vous savez. On a un peu souffert, quand même. Ah, salut Louisa. Louisa qui n'arrive que pour Da. On a un peu souffert, donc il nous sera un peu pardonné. C'est ça, il nous sera un peu pardonné, j'espère. Et c'est le moment de vous lire du Da, résumé des épisodes précédents. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je ne sais pas à quel chapitre on est, mais... On est au chapitre 52. Putain, 52. Ah non, attends, XL, c'est 42. Oh, ah d'accord. Il faut illustrer Da en même temps que Gabriel le dit, monsieur Perlimpinpin. Je ne sais pas si j'aurai la vigueur d'illustrer Da. Je vais déjà noter où on en est quand même à cet endroit-là. Voilà, par rapport à la question donc, du plan de réalisme, hop, je vais glisser ça dedans. Ce que je vais faire aussi, c'est que les notes que j'ai prises sur les définitions, les notions et que je vous ai lues en début, je vais les taper et vous les fournir dans le Discord. Comme ça, vous pourrez vous y référer pour les lives suivants, on sera un peu moins paumé comme ça. D'accord ? Alors, le résumé des épisodes précédents de Da, ça va être, comment dire ? Il arrête pas de découvrir il arrête pas de découvrir les premiers trucs. Hein. Ouais, c'est un raon magnifique. C'est ça. Et c'est d'ailleurs le titre de ce chapitre 42. On est bien toujours dans le même thème puisque ce titre c'est la première pierre. Mais je y en avais pas jusque là. Oui. Da était dans un monde sans cailloux.
Et ben, mais il va rencontrer son premier caillou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ben, nous allons le voir. Grand tapage parmi les... Ah pardon, vas-y. Il y a Ragdou qui me nargue et dit si tu avais un site, tu pourrais les mettre sur ton site. Les notes. On va déjà essayer de finir le travail sur Précaré, si tu veux bien, et il y a du boulot. On réfléchira par la suite à un site pour essayer de rassembler le travail philosophique fait sur cette chaîne. Ce serait vrai, sans doute pas inutile, mais on a encore tellement à faire avec Précaré. J'ai dit d'accord, oh pardon. Oh. Tu manques à la promesse faite à toi-même et au monde. Ouais, je dois 1 € dégénérer. Grand tapage parmi les branches. C'est beau ça. Ça commencerait pour grand tapage parmi les branches. Grand tapage parmi les branches. On dirait une contrepétrie. C'est vrai, ça sonne comme un contrepétrie. Je suis en train de le chercher là. Mais... Au-dessus de la famille humaine, le dôme des feuilles s'agite, secoué par une tempête intérieure, et des hurlements aigus en jaillissent. Da a déchaîné cet ouragan de colère. Ayant aperçu dans un noyer une macaque qui allaitait, et la voyant embarrassée de son fardeau, il s'est avisé de la poursuivre. Il a réussi à la joindre. Il lui a arraché son petit auquel il a cassé les reins d'un coup de poignet sur sa cuisse. Qu'est-ce que c'est que ça? Il va faire chier les macaques et... Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Mais enfin, ça va pas! Il voit une macaque qui allait, il monte, il lui prend son petit, il lui pète les reins. Mais enfin, da! Mais qu'est-ce qu'il est soupolé, ce... Mais c'est incroyable, ça! Oh, il a eu une sale journée, il s'en prend au petit macaque maintenant. Je rêve. Ah mais c'est alors là, direct, tête de chapitre, hop, il monte aux arbres, il vous casse du macaque. C'est le pire commensal qu'on puisse avoir. Ah bah dis donc. Pourquoi? On va peut-être avoir l'explication après. Ouais. Comme Wittgenstein, on a l'explication toujours après. Il agit d'abord, il pense ensuite. Allez. Oui. Oui, c'est ça, il fait la connerie et puis ensuite il pense, il découvre un truc avec. Alors je me demande ce qu'il va découvrir avec cette connerie-là. En cassant du bébé macaque. Oui. Oh, ça commence fort. Alors, reprenons. Pardon. Il lui a arraché son petit auquel il a cassé les reins d'un coup de poignet sur sa cuisse. La proie aux dents. Il est redescendu à terre. Au pied de l'arbre, il dépèce la bête, déchire la peau, disloque les membres et il mord dans la chair qui fume. La mère qui l'a suivi saute de branche en branche au-dessus de lui et l'injurie de cris perçants. À sa voix, la bande des singes s'est ameutée et fait chorus. Les noix pleuvent contre Da. Ah, c'était peut-être ça la contrepétrie. Peut-être un truc avec noix. Les noix pleuvent contre Da. Les noix pleuvent contre Da. C'est pas cher payé. Hein. Des noix donc sur la gueule. Oui, oui. Quelques noix contre un macaque, c'est... Oui, un macaquicide. Au pied de l'arbre, il dépèce la bête, déchire la peau, disloque les membres et il mord dans la chair qui fume. La mère qui l'a suivi saute de branche en branche au-dessus de lui. L'injurie de cris perçant à sa voix, la bande des singes s'est ameutée et fait chorus, des noix pleuvent contre Da, mais il n'y prend pas garde, il mâche. Il s'en fout, il mâche. Lui, il s'en fout complètement des noix, Da mâche. Il mâche. C'est comme les bébés, tu sais, il fait un truc à la fois. Le bébé tête et c'est la seule chose de son monde. Ben c'est pareil avec Da. Il n'y prend pas garde, il mâche. Hoc et Ta, accroupis à deux pas de lui, le regardent manger en attendant qu'il daigne leur octroyer un os ou un lambeau de poumon. Pour passer le temps, elle ramasse les noix que jettent les macaques furieux et tranquillement, elle décortique les fruits qu'elle casse entre deux cailloux.
mais l'impatience de mordre à leur tour dans la bonne viande qu'elles voient saigner. Et ce vacarme strident qui se prolonge sur leur tête commence à les rendre nerveuses. Cette grêle de projectiles les importune. Aux clameurs des singes, elles répondent par des vociférations pareilles. Aux noix lancées, par des noix qu'elles essayent de lancer aussi. Les colères de l'arbre se détournent sur elles et une bataille s'engage. Magnifique, magnifique illustration d'Ada dans ses soeurs. Autrement plus facile à représenter que le nez en costume. Donc. C'est vrai. Elles y figurent sans honneur. Elles n'ont pas l'adresse de leurs adversaires, il s'en faut. Elles réussissent bien à parodier le balancement du bras replié au-dessus de l'épaule, mais elles n'ouvrent pas la main au moment opportun. En sorte que tantôt le projectile s'écrase violemment à leurs pieds et tantôt il monte droit en l'air pour leur retomber sur l'échine. Da, qui mastique toujours, Da, rien à foutre, qui mastique toujours, Koulos. Observe le combat et l'impéritie des femelles. Donc impéritie, c'est un mot qui est devenu un peu rare et qui signifie incompétence. Il les méprise. Assurément, il ferait mieux, lui. Il ne se tient pas d'y penser. La tentation de montrer une fois de plus sa supériorité et d'offrir un modèle lui tracasse l'esprit. Il en oublie de savourer la viande tiède et tendre qui jute dans sa bouche. Bon, on parle quand même d'un bébé maca cru, dépecé, plein de tripes, fumante. C'est bon ça, hein. Oh, le bon bébé maca tout cru. Non. Et tout en temps, ping, ping sur sa tête. Enfin, il ne résiste plus. Il allonge le bras et de sa vaste main, il cueille à terre une noix. Avec une poignée de boue et d'herbe qu'il pétrit, la pâte gicle entre ses doigts. De toute sa force, il lance ce magma contre un macaque. Et Ta pousse un cri de douleur, car l'objet vigoureux l'a atteinte à la tempe. Da est satisfait. Voilà comment on lance. Il a pas touché qui il voulait, mais l'essentiel est là. Voilà comment on lance. Les femmes le sauront mieux désormais grâce à lui. Et c'est le premier mal alpha. C'est le prototype de la créature de TikTok. Il a tout pour lui, hein, vraiment. Que celui qui n'a jamais mâché un bébé macaque lui jette la première noix. La première noix, suit un peu. Voilà comment on lance. Les femmes le sauront mieux désormais grâce à lui. Il se remet à manger. Pourtant, il n'est fier qu'à moitié. Et parce que sa vanité l'y oblige... Il sait bien qu'il n'avait aucune intention de blesser Ta. Cependant, elle saigne et c'est un fait. Il a obtenu ce résultat par un procédé nouveau et c'est là également un fait qui mérite d'être enregistré. Il enregistre. S'il a frappé celle-ci sans le vouloir, c'est simplement sa volonté qui manquait. À la prochaine occasion, il n'aura plus qu'à mettre sa volonté. Il la met... Et comme précisément il tient au point un fémur rongé, il le jette visant la femme.
Ah, il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu un chapitre aussi chargé, quand même. L'os s'abat dans une flaque, à mi-chemin du but. Les singes font mieux, et l'homme s'en rend compte. Mais il n'admet point qu'on fasse mieux que lui. Sa déconvenue tourne en courroux, d'un bond. Il se lève et vite, des deux mains, il ramasse des noix avec fureur. Peut-être pour s'aider à faire aussi bien que les macaques, il imite leurs grincements, leurs grimaces, et le voilà qui lapide ses femmes, à bout portant, elles ripostent de part et d'autre. Pourquoi? Je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas. Mais quelle mouche préhistorique le pique. Donc de part et d'autre, on agrippe tout ce qu'on rencontre pour se l'envoyer au visage. À défaut de fruits, on prend des pierres. Le jeu s'affole, le sang coule, des bosses saillissent. Les femmes fuient. Et les quadrumanes dans l'arbre regardent stupéfaits. Je pense bien. Qu'est-ce qui m'est... Qu'est-ce qui vient de se passer? Je comprends pas. Il y a deux minutes. Tout était normal. Au début, juste, il mâchait un bébé macaque. Tout allait bien. Et quelque chose est parti en couille qui nous dépasse tous et toutes. Je ne sais pas. Du coup, ils se sont tus en même temps qu'ils s'immobilisaient, les yeux écarquillés. Ils se penchent entre les feuilles pour admirer en bas le manège des hommes qui inventent la balistique en jouant à singer les singes. Oh. Et voilà. La scène est magique. Donc je ne rêve pas. Il y a donc des macaques dans les arbres, spectateurs écarquillés. Da et ses deux femmes se balancent des cailloux sur la gueule. C'est ça. C'est bien ça qu'il décrit. C'est ça. Mais c'est le chapitre où Da invente le nonsense. Oui. Donc, faut quand même s'imaginer hein, que t'as juste une macaque qui est tranquille avec son lardon. Pénard. Ça... Elle demande rien à personne, elle allait être tranquille. Et 5 minutes après, y a un fou furieux qui déboule. Même pas bonjour, rien. Il prend son môme, il le claboude. Et, debout. Et ça vire. Hein. Et ça vire au chaos. Voilà. En invention de la balistique, nous dit quand même Edmond. Oui, quand même, oui. Oui. Il y a un sens à tout ça, oui. Oui, oui. Oui. Eh ben. Oui, c'est ça, on dirait un rêve qui n'a ni queue ni tête, nous dit Minamia. Effectivement, oui. On est en droit de se demander quel est le sens de tout ça. Ça s'appelle la première pierre, mais en référence, là, on a quand même la référence biblique. Oui. Voilà. Il a jeté la première pierre. Oui, mais normalement, c'est sur. Enfin, dans la tradition, c'est sur la femme adultère. Oui. Pas sur l'homme macacophage. C'est ça. Bon, allez, les gens, c'est le moment de vous envoyer en raid. J'ai une terrible envie de pisser. Je vous envoie où? Alors, il y a Satrap, il y a Mathéus G. Ah ben, je sais pas ce que c'est. Je l'ai dans mes machins. Vous savez qui c'est, Mathéus 9?
Bah, écoutez, je sais pas. Je vais vous envoyer là-bas parce que je sais pas qui c'est. Ils sont pas très nombreux. Ils parlent politique. J'espère que je ne me trompe pas de polarité politique. Bah, sinon, vous m'engueulerez, tout simplement. Mais Laurent, mais qu'as-tu fait après tout vous... Alors, Mathéus, SZ, underscore, hop, et 9. Voilà. Moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Soyez tous gentils et gentilles. Déboulez chez Mathéus en étant courtois et courtoise. On moi, je vous dis, pas de noix. On ne lance pas de noix sur les gens. Voilà. Mais écoute, si, je suis content que ça vous ait plu. J'espère que vous êtes un peu amusés. Pourtant, c'était pas gagné avec Wittgenstein, je dois dire. Mais bon, c'est fait. Donc, vous partez, vous êtes 24. Ben, allez, c'est pas mal. Voilà. Vous êtes courageux quand même d'avoir tenu jusque-là. Et à très vite. Salut. Alors, le bouton stop.